Et voilà, je suis Rola. Et bien, allez, on est parti. On fait l'intro et on y va. Et bien, bonjour les amis et bienvenue sur Père la Galère Gaming, on se retrouve sur du Animal Crossing, j'espère que vous allez bien, on est samedi, installez-vous confortablement, on est parti pour jusqu'à midi à peu près, un truc comme ça. On va se mettre en plein écran comme ceci, on va se mettre le chat ici, on a le retour qui est bon, on va prendre le retour son et on est pas mal, voilà, je pense que c'est bien. Alors, souvenez-vous, petite intro, on va essayer de la faire courte, pas comme d'habitude. Hier, nous avions agrandi le magasin, mis en construction le magasin, placé le magasin, mis en construction le magasin. On avait repris, on avait soldé notre premier crédit de maison et on avait repris une extension pour la maison. Donc on a encore 198 000 clochettes à rembourser, ce qui pique un peu, je vous avoue. Et du coup, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, on va visiter le magasin, on va aller, on va prendre le maximum de miles qu'on peut, et j'aimerais faire un verger. En fait, hier, on a planté pas mal d'arbres, je vais les déplacer, comme notre maison aura certainement été agrandie, ce que je voudrais, c'est déplacer un petit peu tout ça. Nous faire un jardin devant la maison, un jardin avec des fleurs, et derrière la maison, déplanter tous les arbres et faire un verger avec tous les arbres fruitiers qu'on a. Et côté plage, on va essayer de se faire un truc plutôt sympathique. Allez, on balance la sauce. Ok. Alors bonjour, il est 9h41 en ce beau samedi 28 mars et c'est Tom Nook qui vous parle. Voici les informations du jour. Mes employés Mélie et Mélo ont ouvert une nouvelle boutique aujourd'hui. C'est une échoppe modeste mais les articles sont renouvelés au quotidien pour la plus grande joie des clients. Venez tous les jours à 8h22. De 8 à 22 heures, et la nuit, la boîte de dépôt sera là pour recueillir vos objets à vendre. D'accord. Ok. Ah, un dernier détail. Pour fêter dignement l'ouverture de la boutique, nous avons ajouté un catalogue à Nook Shopping. Ce nouveau service permet à nos estimés clients de voir les articles qu'ils ont déjà achetés ou obtenus. D'accord. De plus, tous les articles du marché y sont déposés à l'achat. Les belles séances de shopping en perspective. D'accord, bon, pas mal. Sur ce, je vous laisse profiter à fond des services que propose la boutique Nook. Nouvelle version. Au fait, nous organisons bientôt une cérémonie, comme d'habitude. Faites un saut au bureau des résidences si vous souhaitez fêter cela avec nous. Allez, c'est bon. Et voilà, ça ne rate jamais. Il faut bien sûr que ça arrive au beau milieu du bulletin. C'est bon ça, c'est le téléphone qui sonne. Comment? La formule évasion? Oui, bien sûr que oui. C'est ainsi que se conclut le bulletin insulaire d'aujourd'hui. Allez, c'est bon. Ah, navré de vous avoir fait attendre. Laisse-moi expliquer succinctement en quoi ça consiste. Ok. Alors, on va voir un petit peu notre maison, si elle a changé, parce que du coup, on a fait une extension normalement. Ah ouais, mais finalement, elle a la même taille. Je pensais qu'elle serait plus grande, moi. Pourquoi donc? Alors, on va voir à l'intérieur si elle est plus grande ou pas. Ah oui, si, elle est plus grande. Elle est plus grande de pas beaucoup à l'intérieur, mais elle est plus grande quand même. Il se moque de nous. Il m'a fait payer ça une fortune. Par contre, ce qu'on va voir, c'est... Écoute, on va tout déplacer, du coup. Ouais, c'est guère plus grand, mais c'est un peu plus grand, mais c'est guère plus grand quand même. Bon. Ouais, c'est pas grave. Je l'aime bien comme ça, avec le petit tapis, avec tout ce qu'il faut, là. Eh oui, maman, la galère est au travail, ouais, bien sûr, ouais.
Mais toi, ta maison, elle n'a pas changé, c'est vrai, tu l'as pas agrandi. Ah zut, alors, Léo, t'aurais voulu agrandir, faire un petit effort. Allez, fais voir. On va. Ah ouais, il faut tout lever en fait. Non, fais voir. On va la prendre, on va la mettre là. On va prendre le bureau qu'on va déplacer. Le lit aussi. Non, ici. Allez, on fait un petit peu de rangement. Mais ça a pas, ouais, ça a pas changé des masses quand même. Hein. On va se l'avouer. C'est pas non plus l'Amérique. Tiens, fais voir. Hop. Voilà. On va la mettre là. On va la changer de sens. Bim, comme ça. On a reçu une Nintendo Switch, c'est toujours pas mal. Hein. Salut Kekla, comment tu vas? Galetman. J'adore. J'adore Kekla. Peut-être ça, on va le mettre. On va le mettre peut-être plus par là-bas, non? Attends, fais voir. On va le changer de sens si on peut. Hop. Parce qu'après tout. Le miroir. Oh, miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la poubelle. Pour aller danser. Là, on va mettre la chaise ici, peut-être. Ça, là. On va défaire bien sûr ça. Non. Eh ben écoute, ça va bien, bien dormi. On a fait un bon apéro hier soir avec ma femme, donc du coup on s'est bien détendu, c'était nickel. Avec un petit peu de la junk food, donc c'était sympa aussi. On va la mettre comme ça et fais voir la chaise, on va la prendre et on va la mettre là, regarde. Bim. Et je vais la changer de sens. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, allez, c'est bon. Pour l'instant, on n'a pas d'autres meubles, donc on va faire comme ça. Et du coup, non, non, du coup, c'était. On va voir, normalement, ils ont dit que ils avaient agrandi notre. Ça agrandissait aussi de quoi notre stock, donc. On verra bien, j'en sais rien. Mais disons que la maison est plus grande, on peut en mettre un petit peu plus dedans. Pas encore, malheureusement, pas encore. Je sais pas comment faire. Ça va venir, hein, je suppose. Là, on s'est fait. Donc hier soir, on avait fini de donner ce qu'il fallait pour le magasin. Donc là, le magasin a été en dur et normalement fait. Donc on va aller le visiter, on va aller voir un petit peu. Pardon. Et dans l'idéal, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, pour tout vous dire, c'est ici. Enlever tous les arbres qu'on a là à peu près quoi. Les replacer différemment. Je veux faire tout là, tout ici. Je veux faire un verger. Un verger avec, avec en fait tous les arbres qu'on a plantés ici. Alors normalement ils sont là, voilà. Et en fait je vais vouloir le faire un tout petit peu plus bas. C'est ça la gageure. Aujourd'hui on va tout prendre et le verger on va le faire derrière la maison. Ici on va faire un parterre de fleurs, on va augmenter le parterre de fleurs qu'on va venir entourer avec des petits rondins de bois comme ça. Et puis on va continuer, on va essayer de faire tout ça. Hein. Et puis on va continuer gentiment quand même l'aventure. Tiens. Qu'est-ce qu'on a? On a cassé quelque chose? A-t-on cassé quelque chose? Oui, on a cassé la canne à pêche, donc il faut qu'on se fasse une canne à pêche. Allez, on va commencer par se faire une. Attendez, que je dise pas de bêtises. Hein. Ah non, non, elle est là. On l'avait cassée, mais on l'avait refaite. Donc on va la prendre, on va la mettre là. Là on a des fruits, on va mettre tout ça dans ma. Ouais, on va mettre tout ça tranquillement chez nous. Et attends, on va prendre quand même ça. Me demandez pas pourquoi je passe par là. Juste parce que vous le valez bien en fait, c'est tout. Exactement, je suis le Stéphane Plaza de Isla Galère. J'aimerais bien ouais, réaménager tout, ouais. Ouais, j'aimerais bien réaménager tout, ça me convient pas comme ça en fait. Je veux faire quelque chose de vraiment très propre. Tu vois, les plantes, les fleurs, là, je voudrais les décaler un peu. Le feu, il est devant la maison, il est bien, mais pas top. On va le mettre aussi sur, tu vois, sur la plage, on s'est fait de quoi de faire un pique-nique. Oups. Salut. Bienvenue à toi. Donc on va commencer par faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire ouvrir la boîte aux lettres. On va regarder si on a de quoi faire du fer, de quoi enfin taper dans des cailloux, récolter un petit peu du poisson, enfin un petit peu tout ce qu'on fait d'habitude. Et puis après, on va aller voir le magasin et puis on se mettra en route pour faire le verger, pour faire des trucs un peu propres.
Je pense que ce serait souhaitable. Alors, c'était ça qui me convenait pas. Bim. Et on va les mettre là. Voilà. Donc, on a de quoi faire les devoirs déjà. C'est toujours pas mal. Ça évite que ça traîne par terre en fait. Le lit, on l'avait levé. On l'a gardé. Maintenant, on va passer comme ça. On va ranger les cerises. On va entreposer ça. On va entreposer les poires. On en a planté. Hein. On a planté pommier, poire, je crois, il me semble. Et des Scooby-Doo aussi. Allez, on va entreposer ça. Et pour le reste, regarde, on va l'entreposer aussi. On en a pour l'instant pas besoin. Hop, comme ça. Ça va augmenter un petit peu notre stock. Il va nous falloir faire un petit peu de stock, hein, quand même. Et normalement, je crois qu'on est bien, les gars. Tintin, on est bien. Allez. Ouais, je pense que c'est bon. Allez, on va faire le tour de l'île. On va regarder si on a un peu de cailloux. On va récolter des coquillages. On va regarder, bien sûr, notre boîte aux lettres pour commencer. Comme tous les matins quand on achète des choses. Alors, Dodo Airline, ok. Porcelette. D'accord, écoute, on va regarder ça. Alors, félicitations, voici un cadeau pour fêter l'extension de ta maison. Un peu de confort d'électroménager pour accompagner dans ta nouvelle vie. Cela ne peut pas faire de mal, fais-en bon usage. Pardon, l'Académie des joyeux décorateurs. Allez, dans la poche. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, je viendrai sur votre île tous les dimanches pour vous vendre nos précieux navets. D'accord. Comme ma mémé le faisait dans le temps, cordialement, Porcelette. Cool. Tous les dimanches, c'est pas beau. Merci de voler avec Dodo Airline. Nous sommes touchés par ton inébranlable fidélité et l'absence de concurrence n'y rend en rien notre gratitude ces jours-ci. Hein. Goody Dodo Airline en guise de remerciement. Oh, punaise, mais c'est sympa ça. Ben merci les gars. Allez, on va regarder tout ce qu'on a eu. Alors déjà, on va attaquer par là. On va ouvrir ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Apprendre. Super, tu sais à présent fabriquer une table carrée naturelle. Mais c'est parfait ça. On va pouvoir mettre une table et des chaises chez nous bientôt. Tant mieux. Et maintenant, que vais-je faire? Que sera la vie? On va voir ça. Un t-shirt Dodo Airline, ok. Eh ben écoute, on va le porter. Et là, on va avoir une belle garde-robe finalement bientôt. Ah, 7 euros passage. Non, mais t'es sérieux là. Pardon. Allez, fais voir, on va mettre ça. Et regardez un petit peu les fleurs. Si on va les regarder plus. Qu'il y avait à côté, j'avais pas vu. Je viens d'aller voir ton Instagram. Ouais, il est mimi. Il est bien plus grand maintenant. Tiens, je vous mettrai une photo de lui un an après. Parce que ça fait quasi un an maintenant. Je crois, dans ce goût-là, quoi. Et tu verras, c'est assez frappant. Un 7 d'euros passage. Bon, écoute, ça, on va pas le mettre là, pour l'instant. On va l'entreposer. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On va l'entreposer aussi. Allez, c'est bon. J'ai un petit chat dans la gorge. Et alors, du coup, on a planté des fleurs de différentes couleurs, les unes à côté des autres. Et regardez ce qu'on a eu. On a eu de nouvelles fleurs. Regardez la teinte qu'on a là, c'est incroyable. On n'avait pas du tout ça. Le mélange a fait qu'on a eu une chose comme ça. On va... Ouais. Allez, on va balader. On va regarder un petit peu sur notre île si on a des coquillages. Et si on a nos premières récoltes, comme tous les jours. Après, on va voir au niveau des nooks ce qu'on a besoin de faire. D'ailleurs, on va le regarder de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Normalement, on a un truc. Ouais. Mais bon. Alors, fruits de tous les goûts. Ok, on a des poires. On a les pommes. Et on a les Scooby-Doo, vous allez voir. Donc, il nous manque quoi, du coup? On a les cerises, les pêches, les pommes, les poires. D'accord, il nous en manque encore. Hein. Mais écoutez, je sais pas ce que c'est, on verra bien. Hein. On trouvera bien en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Il faut arroser des fleurs, ok. Planter des arbres fruitiers, ben ça c'est ce qu'on va faire de toute façon.
Gagner des clochettes en vendant des objets, ok. Vendre des fruits. Et mener à bien des projets de bricolage. Bon, c'est un peu comme d'habitude. Alors. Ouais, moi aussi, je t'avouerai que moi aussi, je l'ai programmé lundi pour faire durer le plaisir, en fait, mais vraiment pour éviter de le finir là, j'avais pas envie de le finir cette semaine, en fait, figure-toi. Donc là, des arbres fruitiers, en fait, on en a planté plein ici. Tout ça, ce sont des arbres fruitiers qu'on a plantés. Alors, certains qu'on fait pousser parce qu'on a planté le fruit, et d'autres, on avait carrément déterré l'arbre. Donc, du coup, ça nous fait un petit peu. Ça nous fait des hauteurs différentes, mais c'est pas très grave. Eh, coucou mon petit doigt, comment ça va? T'es en forme? Bienvenue à toi. Bon samedi en tout cas à tous. Allez, un petit peigne de Vénus parce que c'est pas mal. On le vaut bien. Finalement, on va commencer à faire le tour de la plage. On va récolter un peu, on ira voir le magasin qu'on a fait finalement, qui est tout neuf. Hop. Hop, on va aller récolter des fruits parce qu'il faut en vendre quelques-uns. Est-ce qu'on a de la teuille ici? A-t-on de la pierre? Non. Pas de pierre. On a notre nouvelle boutique. Regardez, elle est magnifique. Ouais, ça va être bien ça. La nouvelle boutique. Qu'on a construite hier, donc elle est sortie de terre assez rapidement, finalement. Hop, on t'a vu. Allez, on va prendre quelques clochettes. La tête dans le pâté. La tête dans le cul dans le brouillard. Encore désolé pour hier. Alors, qu'est-ce qu'elle nous veut? Yo. Je me demandais, on t'a déjà appris à faire une mimique? Ah non. Genre, si jamais tu te sens débordé de joie, tu peux faire quelque chose comme ça. Parfois, les mots suffisent pas à exprimer ce qu'on ressent, alors faut passer par le langage corporel. Pour se mettre en condition, le mieux, c'est de rester appuyé sur ZR, puis suivre ton instinct. D'accord. Je vais mettre les autres au parfum. Ils t'apprendront les mimiques qu'ils connaissent. Ok, bah c'est cool ça. N'importe quoi. Ok, c'est cool. Oh, tu peux à présent utiliser les mimiques. Montre ce que tu ressens avec ces expressions. Allez, on va remblayer ça parce que vous savez bien que je suis un peu psychorigide là-dessus. Dim, c'est bon. Aucune maison n'est aussi confortable, d'accord. Waouh, 1000 balles. Bravo, 1000 clochettes. 1000 miles, pardon. Et on va en obtenir encore là, là. On a appris les mimiques. 300, c'est bien déjà. C'est mieux que zéro. Un petit café, ça fait toujours du bien. Alors attends, on va valider ça là. Ah oui, le poisson rouge, c'est vrai. Il faudrait qu'on aille lui donner le poisson rouge et le tétard, c'est pareil. Il faudrait qu'on aille le donner au conservateur. Je suis pas sûr Non, à mon avis, on ne lui a pas donné. On va aller voir. On repassera par la maison après. On va continuer à faire un petit peu le tour de l'île, voir ce qu'on a. Ce qui a popé, si on a un petit peu. Si on va prendre des fruits. Pardon, on va prendre des fruits, mais avec ce temps, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas la maladie de la bière, pas encore en tout cas, mais c'est juste que il fait un coup il fait chaud, un coup il fait froid, et donc je suis un peu enrhumé, mais juste enrhumé en fait. Vous vous rendez compte que ça fait un an et demi tout à l'heure que j'ai arrêté de fumer, j'ai pris 10 kilos, je respire toujours pas convenablement d'ailleurs, du reste, mais bon, ça c'est autre chose. Mais par contre, j'ai pas été malade une seule fois de l'hiver, en fait. Je touche du bois, hein, et de la peau de singe, mais j'ai pas été malade du tout de l'hiver, en fait. Donc, bon, en même temps, on n'a pas eu l'hiver. Mais ceci explique peut-être cela. Mais quand même, je dois dire que j'ai pas été malade et c'est plutôt sympa. Ça change un peu, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a par là? Ah, c'est bon. On va essayer de récolter un petit peu de fer. Bim. Hop. On va équiper. Voilà. Ça c'est fait. Alors on a attrapé un cloporte. Je crois qu'on en avait déjà attrapé un, mais c'est pas grave. On va le garder. Hop, on va prendre une clochette aussi. Non, Loïc, c'est l'autre. Voilà, merci. 29 000 de clochettes déjà. Voilà. Allez, on va continuer à taper dedans.
tape dedans, mon copain, tape dedans. On va récolter du fruit. Parce que le fruit, c'est la vie. L'orange, c'est notre animal totem. Arrange. J'aime bien le dire en anglais aussi. Arrange. Là, tu te trompes pas, tu sais. C'est comment, c'est arrange. Ah, Malio, c'est comme d'habitude, quoi, en fait. Mais il faut petit déjeuner, Lionel, en fait. C'est ça le problème que tu as. Il faut petit déjeuner. Si tu petit déjeunes pas, ça va pas. Oh, mais si on se posait, mais c'est vrai, je suis tendu comme un string, là. Regarde, je suis pas droit, on va rapprocher ça, puis on va se mettre tranquillou. Ah, tiens, regardez. Ça, on aime bien. Alors, fais voir. La petite pelle, qui va bien, cousin? Eh, hey, coucou, petite perle, comment tu vas? Alors, tiens, tu as déterré un fossile, pardon, déserté, n'importe quoi. Non, mais pas du tout, mais pas du tout. Excusez-moi, il faut que j'arrête de boire. Le jour où j'arrête de boire, ça ira mieux. Je vous en prie. Le fruit, c'est la vie, mais bien sûr. Bien sûr que le fruit, c'est la vie. Allez. On va lever ça. Nous, on aime bien... Ah, de l'escargot de mer. Tiens, on va prendre. On est comme ça, nous. Ah, un petit peu de pierre, écoute. Ça mange pas de pain. Un petit peu de pierre, ça mange pas de pain. Allez, on fait comme ça. Comment ça va? Bien dormi? Est-ce que vous avez tous bien dormi? Je vous ai pas demandé. Bah écoute, ça va. On est samedi. C'est samedi. J'aime bien le samedi. J'aime bien les lives le samedi parce qu'ils sont plutôt posés. Et puis on a le temps de faire des lives un peu plus longs en fait. Du moins, je prends le temps de faire des lives un tout petit peu plus longs. On a commencé par du Hyrule Warriors ce matin. Et puis on continue tout doucement en fait. Puis vous êtes généralement plus détendu, tu vois. Un petit peu comme moi, quoi. Pas qu'on soit vraiment tendu, mais le soir, il y a toujours pas mal de choses à faire. Là, là si tu veux, le samedi, le seul truc que j'ai à faire, c'est les pâtes de ravioli. Donc, c'est pas grave. Alors, fais voir. Non, mais vite. Vite, Loïc. Ah, putain, mais je peux pas passer par là, dis. C'est pas mieux. Hop, équipé. Alors, est-ce qu'on y arrive? Allez, non, avec un peu de chance, sur un malentendu. Non, mais t'es sérieux. Je sais jamais où me placer pour ces trucs-là. Non. Allez, c'est trop tard. C'est terrible, les cadeaux, c'est vraiment terrible, en fait. Mon petit doigt. Allez, fais voir, on va regarder un petit peu ça, là, ce qu'on a. Est-ce qu'on a quelque chose là? Non. Allez, là on est bon. On va aller faire le tour de l'autre côté. Ouais, ce serait bien qu'on arrive à débloquer l'échelle, mais ben, pour l'instant on l'a pas. Pour pouvoir explorer un petit peu d'autres hauteurs de la carte, alors de la map. Ce serait plutôt pas mal. Fais voir un petit peu ce qu'on a. Je me souviens plus. Je crois qu'il faut qu'on vende des fruits. Ouais, vendre des fruits, il faut qu'on plante et il faut qu'on arrose, donc on va aller faire ça aussi une fois qu'on aura fini le tour de l'île. Planter des arbres, on va le faire puisque c'est le but d'aujourd'hui, c'est de faire le verger. On va se faire le verger derrière la maison. On va s'octroyer un petit peu tout ça. Donc là, on y est allé déjà. Hop. Allez. Tranquillamente. Alors, on va passer de ce côté-là, histoire de faire un petit peu de tour. Il y a le petit bout de plage là-bas, donc on va y aller. Généralement, il y a du coquillage. Et puis, on va aller à la boutique pour regarder quand même comment elle est, ce qu'on a comme nouveauté. C'est celle-ci, la table, elle est magnifique. Il faut quoi? De pépites de fer et du bois dur, d'accord. Et bien on sera une table aussi.
Le samedi, c'est jusqu'à midi en fait, petite perle. Généralement, ça commence à 8h30, bien qu'on ait commencé un tout petit peu plus tard aujourd'hui. Mais généralement, ouais, c'est jusqu'à midi. Après, avec Joanne, donc avec Joe Lafrite, on regardera pour vous faire un live tous les deux sur un jeu en coop. Et puis, ma foi. Allez, fais voir. Hop! Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Alors généralement on live pas le samedi après-midi, mais ça m'arrive quand même de liver. Et le dimanche non plus, mais ça m'arrive quand même de liver. Donc n'hésitez pas en tout cas à cocher la cloche parce qu'il m'arrive de le faire en fait. Inopinément d'avoir un petit peu de temps et de le faire. Qu'est-ce que j'ai pas compris dans quoi? Ah mais c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Alors tiens, bonjour Ethan. Tu te sens moins à l'étroit dans ta maison. Il est si agréable d'avoir un peu d'espace. Oui, oui. Ce qui nous mène à... au tarif de ta rénovation. 198 000 petites clochettes. C'est rien du tout, mais bien sûr. Au fait, pense bien à effectuer ton paiement avec l'aide de la fonction DAC du Nookstop, comme d'habitude. Ce fut un plaisir de faire affaire avec toi, comme à l'accoutumée. Quelle saleté. Ah oui, oui. Ça se voit pas à mes yeux que je suis dans le pâté. Alors, allez, on a pris un petit peu 300 miles de bonus, c'est plutôt pas mal. Alors, fais voir, échanger des miles, qu'est-ce qu'on a? On a des tickets, des motifs... Ok, et ça, on a un petit peu... Yes, des chaussettes. Bon, ça, ça, ça diffère pas. On n'a pas grand-chose de plus, donc on va sortir de là. On va rembourser un petit peu notre prêt parce que j'aime bien. C'était compliqué, vraiment, c'était compliqué. Mon patron, il m'a fait aller chez des gens qui étaient malades, en fait. Et dont la femme avait le coronavirus. Donc si tu veux, c'est pas sympa quoi, vraiment pas sympa. Mais je sais pas, c'est compliqué sur les chantiers en ce moment. J'ai des copains qui sont à leur compte et ils se sont retrouvés sur un chantier avec chez un client, donc une construction de maison. Et en fait, ils se sont retrouvés, ils étaient au moins tous les corps de métier réunis dans la maison, le plombier, l'électricien, tout le monde était. Ils se retrouvaient à peu près à 4, 5, 6 dans une même pièce. Et quand ils ont demandé à l'architecte s'il ne pouvait pas faire des roulements pour que tout le monde ne soit pas dans le même truc, il leur a dit que non, que le client mettait la pression pour avoir sa maison et que de toute façon c'était comme ça, que s'ils n'étaient pas contents, et ben, ils prendraient d'autres plombiers. Donc, ce qui mène à dire est que les gens sont vraiment des tarés, égoïstes, et qu'il faudrait les pendre. Tu vois, des mecs comme ça, il faudrait mettre leur tête sur Internet et dire, voilà, ce mec-là, il se comporte très très mal, honte à lui. Voilà, juste ça. Voilà. Et du coup, les gens qui ont de l'argent, ils ont d'autres préoccupations que nous, en fait. Eux, ils s'en battent les reins parce que ça les concerne pas, ils vivent dans un autre monde. Voilà, tout simplement. Donc c'est compliqué. On va rembourser un petit peu, ouais. On va rembourser en clochette. On va rembourser 20 000 déjà. Mais tu vois un petit peu, c'est un peu compliqué en fait. Et c'est ces gens-là, en fait qui mettent en place nos gouvernements. Tu vois. Donc ça c'est, enfin bon, c'est comme ça. On va pas épiloguer, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que voilà, sur les chantiers ça se passe comme ça, et dans le bâtiment ça se passe comme ça en fait. C'est tout. Donc ce serait au beau là, on serait tous morts. Ouais, c'est exactement ça, Kekla. Parce que c'est pas possible en fait, c'est pas sympa, c'est dégueulasse, enfin j'en sais rien, c'est pas... Alors, Arctic Spécial, bienvenue dans le Nook Shopping. Ah ok, cool. Alors, catalogue contient des meubles que tu as déjà ajoutés. Ce catalogue contient des articles de mode que tu as déjà ajoutés, ok. Et ce catalogue contient des papiers peints, sol, etc. D'accord, tout ça, c'est ce que j'ai déjà ajouté.
Ok. Effectivement. Effectivement, ça c'est tout ce qu'on a. On va revenir en arrière, on va essayer de regarder. Fais voir dans l'article spéciaux. Donc lanterne, Nintendo Switch. Ah, elle est belle celle-ci, dis donc. Waouh, 35 000 clochettes, mais t'es malade. Oh, mercredi. Ah, le chapeau, s'il est beau, regardez. Waouh, ça, celui-là est super. Je vais le prendre, on va le commander. Hop. Un pansement, c'est pas beau ça, le pansement. Mais c'est ça, le problème, c'est ça, c'est ce que je supporte plus en fait. Il va falloir que je fasse quelque chose parce que je supporte plus l'imbécilité des gens d'une et leur égoïsme en fait. Et c'est terrible. Et hier, j'ai un client qui m'a fait passer chez lui parce qu'il avait besoin de vider sa piscine pour la nettoyer. Voilà, et il fallait absolument que je passe. Et du coup, c'est fatigant en fait, mais vraiment. Tiens, on va prendre ça aussi. Je trouve ça rigolo. Non, c'est, je sais pas quoi vous dire. Je trouve que, je sais pas. Vraiment, j'en sais rien. Mais il faut faire les choses autrement. C'est plus possible de travailler pour des gens comme ça en fait. Ils sont vraiment incroyables. Ils sont capricieux. Voilà, je supporte plus les caprices non plus. C'est ça, mon petit doigt. Ah là là. Bon, allez. On va sortir de là. Il est plutôt pas mal le nouveau Nook. Et puis, on va aller voir maintenant le magasin, comment il est. Allez. On a remboursé un petit peu de crédit. Donc, ça, j'aime bien, moi, toujours. Allez, maintenant on va aller vendre les fruits qu'on a pris, puisqu'il fallait le faire. On ira arroser aussi, mais on va visiter notre magasin, ce sera bien. Mais oui, Lionel. Mais oui. Ah, il y a Sonic, les gars. Je dois dire que j'étais inquiète quand j'ai appris que vous partiez vous installer sur une île déserte. Mais c'est bien plus sympathique que j'imaginais. C'est un vrai petit bout de paradis. Oui, ça fait un petit moment qu'on est installé, mais on découvre encore de nouvelles choses presque tous les jours. Ah ça, oui, on découvre à tour de bras. On est bien venu s'installer ici pour le. On est venu, pardon, s'installer ici pour le travail, mais c'est presque les vacances de travailler. Presque, hein. Je suis ravi d'entendre ça. À vrai dire. Je suis là aujourd'hui, c'est pour voir si vous n'avez pas besoin d'un petit coup de patte. C'est notre manière à nous de fêter l'ouverture de la boutique. Ma sœur et moi aimerions vous aider. Y a-t-il quelque chose que nous pourrions faire pour vous? C'est trop gentil, Layette. Ta visite suffit à nous remplir de joie, de la tête aux pattes, jusqu'à la casquette. Ah mais... Dis-moi. On a encore quelques problèmes de logistique. On dépend de la poste pour la plupart de nos produits. La boutique devrait nous permettre d'obtenir plus facilement des objets, des meubles prêts à l'emploi. Mais on aurait besoin d'un fournisseur de vêtements. Ah! Mon petit doigt me dit que nos doigts de fée pourraient vous être utiles. Cette visite m'a permis de constater qu'il est très facile de venir jusqu'ici. Nous pourrions passer de temps en temps pour vendre nos produits aux délicieux habitants de votre île. Mais t'as vu? T'as vu, Kekla? Vraiment, vous feriez ça pour nous? Tout le monde sera enchanté, c'est sûr. Comme une chaussure. Ce serait avec plaisir. Donc pas tout seul. Donc ils sont une, deux, trois, plus plaisir, ça fait quatre, on est parfait. Alors ce serait, vous doutez bien, qu'en vendant nos articles, nous y gagnerons aussi. Bien, puisque nous sommes d'accord, je vais rentrer discuter des détails avec ma sœur. Ah mais non, mais du coup on sera cinq. Entendu, passe le bonjour à ta sœur. Eh ben salut! Ah, il va falloir que j'enlève ce maquillage. Ah, Ethan, désolé de t'avoir fait attendre. Mille pardons. Si on peut travailler de cette superbe boutique grâce à ton aide précieuse. En mémoire de ta modeste échoppe que tenait autrefois notre cher président Tom Nook. On a appelé la boutique Nook. Comme tu le vois, on propose des articles prêts à l'emploi et des objets impossibles à bricoler soi-même. Dans la vitrine du fond. D'accord, on va aller voir.
Il y a des outils et des produits type papier peint ou revêtement pour sol. N'hésite pas à passer quand tu veux, c'est toujours un plaisir. Eh ben écoute, pas mal, pas mal, pas mal. Alors fais voir. Pourquoi il nous suit? Eh, t'as fini? Mais non, mais eh, laissez-moi, au secours, au secours. Je vais passer par ici. Vous m'attraperez jamais, vous m'attraperez jamais. Je joue à ça avec mon fils des fois. Allez, fais voir. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Alors, c'est le contenu de votre vitrine, de notre vitrine qui t'intéresse, c'est l'offre du jour. Allez, fais voir, qu'est-ce qu'on a à l'offre du jour? On a un beau parapluie, mais ça ne nous intéresse pas. On a quoi? Du pétard. Il y a du pétard, les gars. Un papier peint bleu, et ça, c'est le béaba du bricolage, on est bon. Ok, pas mal de papier peint, fais voir, 2000, le mur de hall noir, ouais. Du parquet, ça c'est beau, ça c'est très joli, ça je trouve. Ok, bon, pour l'instant, c'est pas mal. Et il gagne à chaque fois, qui ça donc? Ah oui, Sonic? Là, on a quelque chose? Non. Allez, on va leur parler, on va voir. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Ah oui? Dans notre nouvelle boutique, nous proposons trois nouveaux services. Tout d'abord, parlons navets. Merde, ils veulent parler de films. Mon petit doigt. Alors, le marché est porteur. Une négociante en navets ne devrait pas tarder à venir officier sur l'île. Tu peux vendre tes navets ici. Le prix est ajusté le matin et l'après-midi en fonction des fluctuations du cours. Retiens juste qu'on n'achète pas de navets le dimanche, jour de visite de notre négociante. D'accord, mais on n'a pas de navets, nous. Deuxième nouveauté, l'introduction de système d'articles phares. Chaque jour, un ou plusieurs articles sont mis à l'honneur et on les achète au double de leur prix ordinaire. D'accord. Pour connaître le ou les articles phares du jour, consulte le panneau à l'entrée. D'accord. Et enfin, troisième nouveau service, boîte de dépôt est désormais disponible devant la boutique. Si tu es pressé ou que la boutique est fermée, tu n'as qu'à déposer ce que tu veux pour les vendre dans la boîte. Pratique 1. On te règle par virement directement sur ton compte bancaire. Vraiment très pratique. Maria, c'est ça, c'est un navet Maria. Mon petit doigt, elle est trop bonne. Attention, la boîte ne te permet pas de vendre des navets ni de profiter de promotions d'articles phares. Ça y est, tu sais tout. Oui. Désolé pour ces explications un peu longues, mais non, mais il n'y a pas de souci, mon chouchou. Alors, achète-moi un truc, le cours du navet, l'article jour. L'article phare du jour, pardon. Un pot de succulent? D'accord. Ok, on n'en a pas. Nous achetons les articles phares au double du prix habituel. Amène-nous ce que tu as. Tu voulais me demander autre chose? N'hésite pas. Alors, fais voir, achète-moi un truc, le cours du navet. 72 clochettes. D'accord, mais on n'a pas de navet, mais c'est pas grave. Il va falloir qu'on en plante du coup, parce que si on n'a pas de navet, on en achètera et puis on verra. Tu voulais me demander autre chose? Ouais. Achète-moi un truc. Donc, on vend que à l'extérieur du coup. On vend ici. On vend ici aussi. Alors, on va vendre ça, vendre ça. On va vendre ça, ça. Ça, on le vend aussi, ça aussi. Et normalement, on est bon. On va gagner quelques clochettes, ce serait bien. Ah, bah ok, Lio. À plus, merci. Alors, tu as apporté beaucoup de choses cette fois. Laisse-moi juste le temps d'additionner tout ça. Et voilà, je peux te racheter le tout pour 5000 clochettes. Eh ben, vas-y, ça c'est bon. Une fois par jour, en fait, il fait des bons prix, Milo. Allez, normalement, ça c'est bon, c'est fait. On va valider. Hop. Au niveau des miles, on est bon là. Hein. On ira chercher des tickets parce qu'on va encore balader sur des îles, les gars. Ça c'est bon. Alors, il faut pêcher du poisson, on va fabriquer des trucs, ça c'est bon. Il faut arroser 8 fleurs. Ben écoute, ça va pas poser de problème non plus. Normalement, on est bien. On peut sortir de là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Je vois que tu t'intéresses à notre étagère à outils. Fais voir un petit peu.
On en a une quantité illimitée, alors si elle te tente, tu devrais te décider rapidement. On n'en a pas, pardon, une quantité illimitée. Voyons voir son prix. De quoi? Ah non, d'accord, j'ai compris. Ouais, ben pas du tout. T'es gentil, mais pas du tout, en fait. D'accord, non. En fait, non. Par contre, on va prendre le hamac pour mettre sur la plage. Ça c'est sûr. Ah, bon pancake alors, mon petit doigt. Allez, fais voir. Par contre, ça, ouais, on va le prendre. Combien de factures? Allez, on va l'acheter, ouais. Ça, c'est bon, par contre. Ça, on achète. On va le mettre sur la plage ou sous un cocotier, tu sais, on sera bien avec ça. Allez, c'est bon. On va sortir de là. Ah non, attends, 2 secondes. On va aller ici. Et je veux regarder si on a de quoi planter des navets. Alors, le contenu de la vitrine terrestre, l'offre du jour. Alors, fais voir. Donc là, c'est quoi? Non. Anémone, anémone. Tulipe, tulipe. Jacinthe. Plant d'arrosoir, plant de hache, plant de pelle. Non, hein, ça c'est exactement la même chose. Plant de perche, non. Du coup, on n'a pas. Allez, c'est pas grave. Je suis là si tu as besoin de moi. Yes. Merci beaucoup. Mais de rien, écoute. Donc du coup, aujourd'hui, ceux qui vendent, on n'a pas. Allez, on va aller voir notre copain qui est là-dedans. On va lui faire expertiser nos fossiles. Après, on va aller chercher des tickets pour voyager. Et puis, on va commencer à faire notre verger. On va commencer à faire un tout petit peu joli vers chez nous, déplanter des arbres. Alors. Alors, bonjour Ethan. Bienvenue dans le musée d'Isla Galère. En quoi puis-je être utile? Faire une expertise. 2 fossiles. Allez, on va expertiser ça, ça et ça. Et on va confirmer. Oh, rien que cela. Intéressant, voyons voir. Oh, j'aperçois ici de quoi étoffer notre catalogue. C'est beau et rare à la fois. Tu sembles avoir un don réel pour dénicher les fossiles. J'espère maintenant que ta générosité sera à la hauteur de la grandeur de notre établissement. Le développement culturel de notre île est une cause dont il convient de ne pas sous-estimer l'importance. Je ne veux pas te forcer la patte, aussi je te rends tes trouvailles, mais le musée compte sur toi. Allez, on va lui filer un petit peu. Allez, formidable. On va te donner, eh bien, cela et cela et les autres, eh bien, on ira les vendre tranquille. Alors, fantastique, c'est avec joie que je te déleste. Ne te tracasse pas, laisse-moi faire, je m'occupe de tout. Ok, non. Allez, on y va. C'est parti. On ira visiter, hein, à la fin de la matinée, on ira visiter aussi. Si jamais on a trouvé d'autres fossiles, on ira faire une belle visite. Alors là, du coup, c'est là-dessus qu'on regarde. Ok, article phare du jour, peau de succulent. Te. Ok. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la boîte pour récupérer, c'est ça? Ok, d'après ce panneau, c'est une boîte de dépôt, visiblement. Il suffit d'y déposer ce que l'on veut vendre. D'accord. Ok, mais on a trouvé. Pas pour le moment. Allez. On va passer de l'autre côté, parce que, fais-moi, 2 secondes 50, déjà on va faire ça, on va empocher les 1000 clochettes. Là, on a le hamac, ok, c'est pas ça. Allez. Tiens, on va passer par là, équiper. On va aller prendre des fruits, et puis comme ça, après, on va en prendre un maximum, parce qu'on va en avoir besoin pour planter, pour déplanter, et puis replanter, en fait, les arbres fruitiers. Hop. Allez, fais voir. On en a vendu quelques-unes. Après, on ira pêcher. Vous en faites pas, les gars. Est-ce qu'on en a encore ici? Ouais, regardez. C'est bon. Sinon, on en a quelques-unes.
chez nous, mais bon, on va prendre là, c'est quand même et on va en laisser bien sûr. Hop, ok, comme ça on va pouvoir manger. On va retourner vers chez nous, on va déplanter des arbres, on va aller voir pour acheter des tickets miles. Allez, hop. Voilà, on est bon. On va vendre les deux trucs qu'on a à vendre après, mais pour l'instant, c'est bon. Petit ticket miles et on va vendre le reste. Ah, qu'est-ce qu'il veut Tom? Alors oui, naturellement. Sois sans crainte, nous inclurons avec joie un foyer confortable meublé dans notre formule évasion. Oh, pas du tout. Nous déterminerons la date d'emménagement plus tard. D'accord. Non, non, aucun problème. Laisse-moi juste le temps de mettre la patte sur le contrat. Entendu. Nous te rappellerons bientôt. Merci. Alors, qu'est-ce qui vient? Ethan, désolé de t'avoir fait attendre. Je suppose que tu as entendu parler au téléphone. Alors voilà, il se trouve que j'ai lancé une campagne de publicité pour la formule évasion Isla la galère. Et figure-toi que nous avons déjà 3 clients potentiels. D'accord. Ah mais c'est génial. Oui, c'est plutôt épatant, merci, merci. Enfin, épatant, un minuscule détail près. Aucun de nos 3 clients ne vibre d'exultation à l'idée de dormir sous une tente voiture. Or, emporté par mon enthousiasme commercial, il n'est pas tout à fait impossible que je leur ai promis une maison entièrement meublée. 3 maisons, tu te rends compte? Mercredi. Je ne te parle pas des meubles de préparation du terrain. Non, 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 ça fait trop pour un seul raton laveur. Ah là là. Eh ben écoute, il va falloir qu'on construise 3 maisons alors du coup. Mais Ethan, voilà que tu arrives au moment où j'ai besoin de toi. C'est un signe du destin, mais bien sûr. Accepterais-tu de m'assister dans les préparatifs en t'occupant des 3 maisons? Mais écoute, on va essayer. Il va de soi que tu n'auras pas à faire... un ingrat, non, non, tu peux compter sur une récompense dodu. Allez, bien sûr. Merci, merci. 1000 milliards de 1000 sabords. Merci. Jamais je ne l'oublierai. Alors, si tu auras besoin d'informations confidentielles pour accomplir cette mission de la plus haute importance. Lorsque tu es prêt, viens me parler et me demander je dois faire quoi. Ok, ça va. L'argent Nook, Tom Nook te relèvera alors tous les. Te révélera alors tous les détails. Ok. Allez, fais voir. On va aller prendre les. On va aller prendre ce qu'il nous faut. Je veux d'abord mettre notre île un peu sympa. Et après on viendra le voir pour savoir ce qu'on doit faire. Vraiment. Donc on va échanger des miles parce que là on en a quand même pas mal. On va prendre des tickets. On va en prendre 2. Ou 3. Allez, quand on veut, on se rendra à l'aéroport de Isla Galère. On va en prendre plusieurs. Alors, veux-tu échanger 2000? Oui, ça on fait encore. Allez, c'est bon. Et on est bon. Encore un, comme ça on ira aujourd'hui essayer de visiter 3 îles si on a le temps. Quelle heure il est, Wyss? Ça devrait le faire. Allez, on est bon. Voilà. Allez, on va vendre les fossiles vite fait. Et puis après on va aller faire notre verger. On va déplanter un petit peu des arbres. Ah, j'aurais pu les donner à l'extérieur, essayer à l'extérieur, bon, ça ira. Allez, fais voir. Sois le bienvenu, Ethan, salut. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Achète-moi des trucs. Allez, fais voir. On va vendre ça et ça. On confirme. On va aller poser le hamac. Et voilà. Waouh, 7000, parfait. C'est vraiment pas mal ça. Vraiment quand tu fais pas mal d'argent avec ça.
Allez. Maintenant, on va déboiser, les gars. Maintenant, on va déboiser. On va commencer d'ailleurs pour déboiser. On va commencer par... Donc cette partie-là, on va la garder. Là, tu vois, il y en a trop, en fait, d'arbres. Donc ce qu'on va faire... Ceux-là, on va les enlever parce que c'est ici qu'on va faire notre verger. Tout là. Et ce qu'il y a là, on va vraiment clairsemer tout ça parce que là, c'est vraiment pas possible. Hop, voilà. Et en même temps, on va prendre du bois. Comme ça, ce sera bien. Pourquoi tu l'as pas pris? Voilà, s'il te plaît. Bim. Voilà. Allez. On va en avoir besoin parce que je veux faire... je veux encadrer tout ça. Je veux faire une palissade en fait. Pour en délimiter un petit peu tout ça. Après on creusera. Fais voir. Ça aussi. Ah zut! Bon, écoutez, on va en refaire, c'est pas grave. Elle était bien pratique, ma fidèle hache. C'est vrai que c'est à peu près l'ustensile qu'on utilise le plus en fait, la hache. On a une abeille qui est ici, fais voir, on va se la récupérer, non? Allez. Hop, papillon. Papillon de lumière. Ah non, zut. Ah mince, j'ai été trop prompte. J'ai été un petit peu trop rapide. Et coucou mon Cupix, comment tu vas? Alors fais voir, on va faire une hache ici. Normalement on a même pas ce qu'il faut, je crois pas. Fais voir ce qu'on a. Non, il nous faut de la branche d'arbre. Le fer c'est bon, mais la branche d'arbre on l'a pas. Il me semblait qu'il y en avait plein par terre, mais on va secouer. On va essayer de pas se faire piquer, ce serait bien. Allez, encore, merci. C'est bon, on en a 5, on peut faire ce qui nous fout clé. Eh bien écoute, ça va, bien dormi et tout, nickel. On est en live depuis 9h, là ce matin, on s'est pas levé trop tôt pour les lives. Et on va faire un petit peu de cosmétiques. Attendez les gars, parce que là je l'ai pas vu elle. GG, on va essayer de prendre le deuxième, parce qu'en fait celui-là on l'a pas, la menthe religieuse de cette couleur là on n'a pas, on en avait une mais voilà, comme ça une on la mettra chez notre conservateur et la deuxième on la vendra, puisque c'est la première fois qu'on a ça. Allez, on était parti pour fabriquer quelque chose, on va fabriquer une hache. Ah oui! Attendez, regardez, on va s'équiper notre plage, juste là, là, on va mettre un truc incroyable et important, mais très très important, comme ceci. On va faire ça. Parce que vous ne connaissez pas l'importance du hamac, mais le hamac c'est terrible en fait. Allez, on va placer ça. Voilà, sous le cocotier bien sûr le hamac, sinon ça sert à rien. Allez, on va faire notre petite hache, parce qu'on en a besoin. Hop, au travail. Une table, il faudra qu'on fasse une table. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de bois dur et de pépites de fer. Donc ça, on arrivera à faire. Il en faut deux. Bon. C'est pas autant pour moi. On va se faire ça. Alors, tu veux bricoler quelque chose? Oui. Du coup, au travail, on va regarder au niveau des outils. Alors déjà, on va faire ça. Ah bah on avait déjà, tiens c'est parfait. Regarde. Ouais on s'en sort, écoute on s'en sort. On essaye en tout cas de s'en sortir. Allez on va arrêter pour l'instant. Allez on va prendre du bois et puis comme ça on se fera la table juste derrière en fait. On déboise, aujourd'hui on déboise. On se fait un petit peu d'air, on déboise parce qu'il y a trop de choses en fait. On a trop de choses autour. Et je veux qu'on puisse y voir quelque chose en fait. On va se faire un petit verger. Tranquillou pilou, vous allez voir, ça va bien se passer. Hop. Non, celui-là, on va le laisser par contre. C'est ça qu'on va. C'est là où on va. On va décaler tout ça. Bon, les coupes, parce que comme ça, ça nous fait du bois. Je veux pas les replanter. On va en avoir besoin.
tout ça c'est des fruitiers, mais on va replanter que du fruitier en fait, hein. Vous en faites pas les gars, on va faire ça bien. On va délimiter toute notre propriété. On va planter tous les fruitiers qu'on a. Notre arbre à clochette aussi, on va le mettre bien sûr par ici, vous en faites pas. Voilà. Ok. Allez, là c'est bon. Je pense qu'on est bien. On va regarder un petit peu tout ça, comment ça se passe. On va lever ça. Allez, on va prendre la pelle maintenant. Alors il y a des fois, vous en faites pas, hein. Il y a des fois je passe par là, des fois je passe par la roulette. Bon. Hop, on va remblayer. Je veux nous faire quelque chose d'un peu propre, d'un peu sympa. On va enlever tout, on va enlever toutes les souches. Allez, fais voir. On y mettra des fleurs, des palissades, des fleurs. On va faire ça, mais vraiment nickel. Voilà. Non, je suis pas au bon endroit. Tu te calmes. Allez. Non. C'est un peu. Voilà. On y est mieux. Voilà. Alors, fais voir un petit peu comment on est là. On est pas mal. Le cèdre, on va le laisser là, peut-être. Là, on avait commencé un verger ici, mais c'est pas du tout... c'est pas ça. On a planté pas mal. Tu vois, tout ça, c'est des choses qu'on a plantées, mais on va pas le garder ici. On va le mettre là-haut, en fait. Là... On va prendre la hache, encore une fois. Allez. Voilà. Ok. La pelle. Non. Bon. Mais t'es sérieux quoi? Allez. Voilà. Et voilà. Non. Allez. Voilà. Gentil yogi. Ça, on va les déplanter. Comme. Il faut qu'on mange. Il faut qu'on mange. Donc regarde, on va faire ça. On va manger. Il nous faut de la force. Donc on en a quoi? On en a 3 pour l'instant à déplacer. On va manger les... non. Pas lâcher. On va manger les 6 fruits qu'on a. On a du bois sur nous, on a tout ce qu'il faut. Hop. Allez, normalement on est bien. Allez, on va lever ça. On va remblayer. Pareil pour ça. Ok. Allez. On va remblayer ça. On va... Ah, punaise, mais c'est pas vrai. Il faut vraiment se mettre en face. Des fois, ça... Ouais. Tu vois, tu décales un petit peu et c'est... C'est pas au bon endroit. C'est bon. Allez, on va lever le fumoir. Pardon. On va lever ça. Ok, on va lever la poêle parce qu'une poêle par terre, ça sert à rien en fait. Et c'est pas beau. Il y a une cococinelle. On va lever ça. Yes. Alors, je vais aller dans la maison. On va lever tout ce qu'on a à lever. On va venir faire... Tiens, fais voir. Allez, ça, on va le prendre. On va enterrer. Alors, dans l'idéal, on va planter tout là. Ici, on va mettre une palissade.
comme ça, à partir de là, on va venir la mettre... On va laisser une ouverture ici, mais on va venir la mettre jusqu'ici. Je pense que dans l'idéal, c'est ce que je voudrais faire avec des fleurs qu'on va venir mettre juste devant. Ici, on va en redescendre une de palissade qui va venir là, comme ça, et on va laisser ces fleurs ici. Allez, on va déjà rentrer et entreposer tout ce que je n'ai pas besoin. Tous les ustensiles de maison dont on n'a pas besoin qui étaient par terre. Ok. Allez, hop. Donc ça, c'est quoi? Le fumoir, on va l'entreposer. Ok, ça c'est le barbecue, on va l'entreposer. La poêle à frire, on va l'entreposer, on n'en a pas besoin. L'eau de piqué, donc ça on va le garder. L'eau de piqué, on va le garder. Et puis je pense qu'on est bon. Le reste pour l'instant on est bon. Les bonbons, on les mettra à l'entrée en fait de chez nous. Alors là, ce que je veux faire, si tu veux, y a pas de... Là, c'est juste moi qui veux faire un petit peu de cosmétique avant de retourner, continuer l'aventure. On s'est fait le magasin, ça c'est bon, tout est fait à peu près comme il faut. Il va falloir retourner voir Tom Nook parce qu'il va vouloir qu'on aille chercher certainement des matériaux pour construire des maisons pour de nouveaux habitants. Mais là juste ce que je veux faire, c'est que je veux faire un verger, si tu veux. Hier, j'ai eu beaucoup de fruits, d'arbres à fruits, donc de fruits différents. Donc ce que je veux faire, c'est que derrière la maison, je veux les planter et faire quelque chose d'un peu beau et d'un peu propre, en fait. Voilà. Si tu veux, ce que je veux faire, c'est un petit peu de cosmétique. Là, tu vois, on a des fleurs qui sont là et qui sont sympas, mais je voudrais tout regrouper. Ça, c'est les fruitiers qu'on a plantés. Alors, on a planté certains avec les fruits, qui sont petits pour l'instant, et certains juste les arbres. On a planté directement les arbres. Donc en fait, je vais prendre quelques fruitiers ou voir tout ce qu'on a ici et je vais les mettre derrière et on va faire quelque chose d'un peu joli et d'un peu propre. Voilà. Voilà la gageure. Ben écoute, moi j'aime bien. Faut faire attention parce que c'est un jeu qui va dans la lenteur, mais tu vas en avoir pour ton argent. C'est-à-dire que tous les jours. Alors, il y a des choses que tu vas faire régulièrement et qui sont toujours pareilles. Fais voir, pas maintenant, je vais te montrer. Là, si tu veux, cuit. Là-dessus, c'est tout ce que tu débloques. Tu coupes des arbres, tu machins. Par exemple, un pêcheur chasser. Donc ça, c'est des trucs que tu fais et qui viennent te popper comme ça. Mais après, tu as les miles nook là qui a juste en haut. Et ça, c'est des petites quêtes qui te font avoir des miles et qui te font engranger des miles assez facilement. Tu vois, et donc tous les jours, finalement, t'as vraiment des choses à faire là. Tu vois, il faudrait que si je veux gagner pas mal de miles pour 100 miles, eh ben tu dois arroser des fleurs, machin, truc bidule. Les miles, ça te sert pour acheter des tickets pour aller visiter d'autres îles. Et sur ces autres îles, tu vas prendre des objets que tu n'as pas chez toi en fait. Et donc, c'est ça l'intérêt. Puis ça se renouvelle un petit peu. Ouais, ça se renouvelle tous les jours en fait. Ouais, ça se renouvelle tous les jours. Et du coup, t'as quand même pas mal de choses à faire. Tu vois, ça fait que je dise pas de bêtises, c'est le 9e jour sur l'île, mais ça fait 10 jours qu'on live dessus, et du coup tu t'ennuies pas. Par contre, c'est un jeu dans la lenteur, c'est-à-dire que tu as d'autres jeux comme ça de farm où tu iras bien plus vite. Là, c'est vraiment tranquille, t'es vraiment posé, et tu peux en faire 10 minutes par jour, aller grignoter 4 trucs, prendre des clochettes. Par exemple, là, l'extension de la maison, ça m'a coûté 190 000 clochettes. 198 000, mais il faut y aller pour avoir 198, mais pour rembourser 198 clochettes. Mais finalement, ça se fait assez vite. Puisque tu vas vendre des fruits et puis il va te filer 7000 clochettes. Donc tu as deux types de monnaie. Tu as les clochettes avec lesquelles tu vas acheter des choses et tu as les miles nook avec lesquelles tu vas acheter d'autres choses. Et c'est plutôt... Moi, je le trouve plutôt bien en fait. J'étais pas conquis, hein, je vous avouerai. Les 2-3 premières heures, je me suis dit mais ça, c'est un peu lent quand même. Et puis finalement non, ça va très très bien en fait. Allez, on va faire des piquets. Et tu vois, je dois bricoler des choses. Donc en faisant des piquets, ben, je gagne des points miles aussi. Et tout naturellement, en fait, tu gagnes des trucs en faisant des choses tout simplement. Ben parce qu'il faut que tu les fasses finalement pour avancer un petit peu dans ton jeu. Donc tu fais ça tout naturellement. T'as rien de...
T'as rien vraiment d'indiqué quoi, mais c'est un jeu qui va dans la lenteur quand même. Ouais, je sais, ouais. Alors, te connaissant, je sais pas si c'est vraiment un jeu qui va te plaire en fait. Parce que, alors, il nous manque du matériel, on va aller en chercher dans la maison. Et moi, je t'avouerai que je savais pas s'il allait me plaire ou pas. Comme j'en avais jamais fait d'Animal Crossing, je me suis dit quand même, on a une chaîne, on fait de la Switch, on fait. Ce serait quand même bien de savoir si c'est bien ou pas, quoi. Du coup, je vais aller récupérer dans le stock du bois, du bois, du bois, du bois, du bois, du bois. Allez, fais-moi. Je me souviens plus lequel est-ce, en tout cas, de bois. C'est du bois dur, du bois normal. Tiens, on va prendre celui-là, placer dans la poche. Et on va prendre celui-là aussi, placer dans la poche. Et puis on verra bien si c'est ça. Time of Porta, c'est bien. Hein. J'aime bien. Mais tu vois, c'est différent de Time of Porta quand même. C'est un peu plus dans la longueur. C'est un peu plus calme en fait. Mais tu t'ennuies jamais. T'as toujours quelque chose à faire. Regarde là, aujourd'hui, c'est moi qui me suis dit, bah, tiens, je vais vous faire quelque chose de propre quand même. Qu'on ait quelque chose. Mais l'aventure continue. Je pourrais très bien continuer l'aventure. C'est juste moi qui veux farm un petit peu là aujourd'hui pour essayer de faire un truc un peu plus sympa. Et qu'on soit bien, tu vois. Délimiter un petit peu notre terrain, tu vois, juste faire des choses un peu comme ça me plaît en fait. Allez, on va fabriquer encore la même chose. On va voir. Je sais pas si nous en faudra plus ou pas. Ah, mes poches sont pleines. Mais écoute, c'est pas grave, on va commencer à mettre tout ça en place. Alors, je voulais, mais je sais pas comment. Alors, on va voir comment ça peut se placer. À partir de là. Alors, est-ce que tu te places comme il faut, toi, si je te mets comme ça? D'accord, il n'y a pas assez de place. Donc, on va reculer un peu. Et on va voir si c'est possible. D'accord. Allez, on va. Hop. Voilà. Hey, salut Toka, comment tu vas? T'es en forme? Ah, t'inquiète, t'inquiète, y a pas de souci, Toka, pas de problème. Voilà. Tu vois, là ça va pas. Hop. Alors on va se décaler. Par contre la construction là, je t'avouerai que c'est pas simple. Hein. Je t'avouerai que je pense que ça va pas être simple le truc. Hein. Tu vois, c'est décalé. Hop. On va s'avancer un tout petit peu. On va le placer. Non plus. Est-ce que ça suffit ou pas? Non, il veut pas. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus simple, je dois vous avouer. Et là, tu vas voir, c'est trop. Non, c'est bon. Alors, comment on est par rapport à la maison? Par rapport à la maison, on en est là, donc on va encore continuer un tout petit peu. Au moins de 1. Et non. Non, trop près. Ouais, ça, par contre, tu vois, il aurait fallu qu'ils prévoient des raccourcis de touches pour pouvoir faire ça, je pense. Allez, on va essayer ça. Non, tu vois, t'es trop près.
Voilà, là on est bon. Alors par rapport à la maison, là on est pas mal. Je ferai bien l'entrée par ici. On peut en placer un petit peu encore. Encore un, peut-être un encore, ouais. Peut-être un encore, après on fait un espace pour pouvoir rentrer. Alors fais voir. Bienvenue à tous en tout cas, merci d'être là les gars. Hop. Et les filles, d'accord, d'ailleurs du reste. Merci à tous. Voilà, là on va placer le prochain ici. Est-ce qu'on est aligné? Je ne crois pas. Ouais, non, on doit pas être aligné, fais voir. On va laisser un passage quand même, un peu important. Ouais, c'est bon ça. Allez, on va aller en refaire. Et puis après, on va aller prendre nos arbres et puis on va les planter. Le planter de bâton, monsieur Duss, le planter de bâton. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, Toka, je me souvenais pas. C'est vrai que tu peux le déplacer un petit peu ou le tirer, ouais, effectivement. Attends, on a vu passer un cadeau. On a vu passer un cadeau, on va essayer d'y courir après, mais... Alors bravo, tu as fabriqué un lot de piquets. Attends, on va arrêter pour l'instant, 2 secondes, on va passer par là, on va prendre ça. Et il me semble que là, on a vu passer un cadeau. Alors ça, c'est toujours une galère incommensurable. Mais c'est pas vrai, c'est terrible, c'est terrible de pas pouvoir, de pas savoir où est-ce que tu te places en fait pour ces trucs là pour être bon du premier coup. Allez, on y va, une petite punaise. On va continuer notre construction, après on va planter nos arbres tranquille, on va les arroser, ça va nous permettre de gagner des miles aussi puisqu'on doit arroser des fleurs. On va se faire un petit truc aussi où est-ce qu'on peut où on va placer pas mal de fleurs. Les fleurs, je voudrais les placer un peu tout autour en fait. Je vais vous montrer. Hop. Si tu veux la prochaine fois, on peut jouer ensemble. Je te passe plein de piquets. Si tu veux, mais c'est bon. On pourrait se faire un live bricole à plusieurs. Ouais, effectivement, ce serait rigolo puisque vous pouvez venir sur mon île et vice versa. On pourrait se dire, bah, tiens, on va farmer ça ou on va farmer ça et puis on essaie de faire des trucs. Allez, on va voir pour les piquets qu'on a sur nous déjà ce que ça dit. Je pense qu'on va aller jusque là et puis après on s'arrêtera là. Et on va venir mettre tous nos fruitiers ici en fait. Alors. Ok, ça c'est bon. Ok. On va placer. Non, ça, attends, ça va pas. Il est pas... Il est trop loin. Il est trop loin. Hop, fais voir. Ça, toi, on va te pousser. Allez, c'est chaud. Voilà. Allez. Ah non, il veut pas. Pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a quelque chose qui gêne, oui. Il y a quelque chose qui gêne, autant pour moi. Du coup, regarde, on va prendre la mauvaise herbe. Je pense que c'est ça qui l'embête. On va déplacer la mauvaise herbe, si on doit, on va voir. Mais je pense que, ouais, je pense que c'est ça qui le gênait. C'est possible, fais voir un peu. C'est ça, c'était ça qui le gênait en fait. Allez, on va arracher la mauvaise herbe qu'il y a là, du coup. Voilà, allez. On va se mettre comme ceci. Voilà, je pense que là on est bien à piquer. Un triple boucle piqué les gars, tout va bien. Il va nous en manquer quelques-uns. Ouais, il va nous en manquer au moins 2. Ok, allez, ouais, peut-être 2.
Un truc comme ça, dans ce goût-là, ouais. Là, on va redescendre des piquets ici, après, jusque là, et faire l'entrée de chez nous par là. Alors, ouais, j'aurais pas dû siffler, mais c'est pas grave. Ça a dû vous faire très très mal aux oreilles, désolé les gars. Mais du coup, non, non, c'est vraiment un jeu plaisant. Il pourrait te plaire, vraiment, hein, Cupixin. Il pourrait vraiment te plaire. Hein. Faut aimer les jeux de farm. Et là, pour le coup, faut aimer les jeux tranquilles, quoi, du coup, les gars. On va encore en faire quelques-uns de piquets, ouais. Bricoler autre chose. Voilà. On va en faire 2, 3, 4. On va faire le maximum de piquets qu'on puisse, en fait. Et puis après, on verra. Après, on ira balader sur une autre île, hein, vous en faites pas. Hop, on va se faire la table en fer aussi. Ah, non, matériel manquant, il manque du bois. Allez, fais voir. Je crois qu'on en a encore là-bas dedans. Normalement, on est pas mal. Allez. C'est du bois dur, mais nous, c'est du bois normal, en fait, qu'il nous faut. Eh, on en a plus tant que ça, les gars. On en a plus tant que ça. Du coup, bah, on va prendre les 9 qui nous restent. Et puis, bah, on ira à la chasse au bois après, hein, tant pis. Hein. On ira déforester une autre île. J'ai vu, c'est ce que je disais, regardez. On les a. Il y a du blanc et ouais, on a une nouvelle race de tulipes, effectivement. C'est ce que je disais en début de live. C'est exactement ce que je disais en début de live, ouais. Et là, du coup, par contre, non, tu vois, j'ai rien qui a repoussé d'autres, mais c'est pas grave. On verra bien. Allez, on va essayer. Fais voir. De pas trop s'éloigner. C'est pas simple le déplacement pour ça, je trouve. Allez. Hop. Voilà. Là, on est bien. Maintenant, on va enlever tout ça. Voilà. On va aller vendre l'herbe hein, qu'on a récupéré. Pour les amateurs, je vends de l'herbe, les gars, si ça vous dit. Allez, fais voir. On se fait un terrain un petit peu propre. Voilà. Alors. Bim, on va descendre et on va récolter tout ça, je pense. Comment on est au niveau de notre... Ah oui, on a encore 10. On va les ranger ça là parce qu'on n'en a plus besoin. Comme ça, on va regarder. Tiens, qu'est-ce que c'est comme cadeau? On va l'ouvrir. Ah oui, 5000 clochettes, bravo. Impeccable. De France, c'est nickel. 24 000, c'est bien, c'est propre, hein, 24 000. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est un feuillu. D'accord. Les bambous, on va pouvoir les planter les bambous, fais voir. Les bambous, on va les mettre là, là, sur l'angle. Juste là, là, je pense. On va essayer si on peut faire. Je crois qu'il faut prendre la pelle, hein. Ah non, planter. Il n'y a pas assez de place, ok, c'est pas grave, on va se décaler un petit peu. Comme ça. Hop, on plante. Voilà, un là. Est-ce qu'on peut en mettre un par ici? Attends, il faut désherber. Hop, comme ça. Punaise, on va vendre toute cette herbe folle là. Ah, bientôt mon chéri, pourquoi? Un film qui est super bien. Un film qui est super bien? Mais passe-me-le. Montre-moi mon chéri. Hop, regarde. Est-ce qu'on peut le mettre un petit peu là? Ça parle des gardiens du ciel. Ça parle des gardiens du ciel, mais c'est bien ça les gardiens du ciel mon chéri, j'adore. Allez, on va les mettre là. Pardon, tant pour moi, c'est ici que ça se passe. Voilà, déjà ça c'est bon, planter. Le planter de bâton monsieur Duce. Donc là on est bien. Là t'es tranquille, t'es dans ta maison quoi.
t'es dans ma maison. Oui, mon chéri. Ok, Toka. Allez. On va déterrer tout ça. Alors, normalement... on va prendre la pelle. Non, c'est pas ça. T'es gentil. Voilà. Ça, c'est bon. On va remplir. Ethan, s'il te plaît, fais pas de bruit avec ça. Là, c'est bon. Non. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Voilà. Allez. On va faire ça. Alors, normalement, ceux-là, ils sont déjà adultes. Ah, il faut que je prenne des fruits. Bon. Allez, on va aller manger des fruits. Ah, si t'es pas bien en face, c'est une tannée, par contre. Hop. Comme ça. Alors, c'est quand le prochain live, du coup, bah, je sais pas, je mettrai ça à jour, demain, normalement. Enfin, j'ai commencé à le mettre à jour, mais sur la nouvelle appli, enfin, sur la nouvelle fonctionnalité de Twitch, mais qui, je pense, sortira, mais je sais pas quand, ils ont pas précisé. Mais pour tout vous dire, attends, on va manger des fruits. Je vous fais comme d'habitude le dimanche soir, hein, les gars, le dimanche soir. Alors, là on est bon, on va manger des oranges. Donc je continuerai à avoir les doubles fonctionnalités, c'est-à-dire dans les infos, vous aurez quand même tous les dimanches soirs les lives avec les joueurs comme on fait jusqu'à présent. Mais normalement... Purée, ça m'agace comme ça part sur le côté comme ça. Mais non, allez. Mais normalement, Twitch, ils viennent de nous mettre une nouvelle fonctionnalité. Donc moi, de mon côté, j'ai fait ce qu'il me fallait. Et reste à voir si c'est bon ou pas. Attends, qu'est-ce que j'ai pris là? C'est bon? Ouais. Un orangé. Ça me gêne pas. Ça, on va le lever, le feuillu là. Normalement, ça, c'est moi qui ai dû le planter. Pareil. Hop. On va voir. C'est ça. Oh, c'est notre arme à clochette. D'accord. Non. Mais t'es sérieux, là, enfin. T'es juste en face, chou. Ah, 67 tarentules, t'as eu? Waouh. Ben, nous, on en a eu une qu'on a donnée au conservateur, parce que, bon, ben, forcément... Ok. Quand même, il fallait le faire. Papa d'amour. Mon chéri d'amour. Fais voir, on va planter le feuillu par contre. Comme ça, on est bien. Qu'est-ce qui t'arrive, mon chat? Je sais pas. Je peux pas te dire. Je sais que ça pousse. En fait, ça pousse. Je suppose qu'on doit pouvoir le faire. Et après, t'as des trucs qui poussent tout seul, tu vois. Allez, fais voir. On va planter ça. Alors, jeune pommier, planté. Attends, on va se décaler un peu. Ok. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Jeune pêcher, planté. Voilà. Est-ce qu'on peut planter un... Jeune poirier. Planté. Le planté de poirier, monsieur Duss. Le planté de poirier. Allez, on va se mettre là. Avancer les jours et cloner, c'est de la triche. Et moi, j'ai surtout l'avis. Je suis surtout d'avis que effectivement, faire passer les jours, c'est pas. Il n'y a pas d'endroit où planter ça. Comment ça? Là aussi? Ouais. Allez, faut se décaler un petit peu. Ça devrait le faire comme ça, non?
Non, il veut pas. Décidément, il veut pas, le mec. On va en mettre là. Est-ce qu'on peut là? Est-ce qu'il va nous autoriser à mettre... Ok, là c'est bon. Est-ce qu'on peut en mettre un juste là? Ok. Voilà. Hop. Non, il faut que je me décale un peu, je suis un peu trop près. J'aurais bien... Voilà, comme ça, je pense que là, on serait pas mal. On n'est pas droit, mais on va essayer quand même. Ok, c'est bon. L'arbre à clochette, bim. Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Est-ce qu'on peut encore le retirer? Ouais, on doit pouvoir. Voilà, là, je pense que c'est bon. Je voulais l'axer un petit peu. Essayer de faire quelque chose de propre, mais c'est un peu compliqué. Non, ça va. C'est bon, les arbres, ils sont peut-être un poil serrés, je vous avoue. Mais écoutez, on verra. On verra, on verra. Mais on en a pas mal à, on en a pas mal à planter, en fait. On peut en planter... Ah. Est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Ouais, peut-être. Ok. Il faut vraiment se mettre loin, en fait. Autant pour moi. Ça va, mais écoute, Montoka, merci, merci un petit peu. Il y a eu un bug de duplication. Beaucoup de gens l'utilisent. Utiliser un bug, c'est tricher. Je suis désolé. Ouais, monsieur, je suis assez d'accord. J'aime pas trop avancer les jours. Les gens font comme ils veulent, mais moi, j'aime bien jouer à un jeu normalement, quoi, avec ce qui est... avec ce qui est permis, voilà. Ça me paraît, ouais, peut-être on espacera un petit peu tout ça, peut-être. Hein. J'avoue que là, on est un peu serré au fond de cette boîte, mais bon. On va voir, hop, on va planter ça. Allez. On en a d'autres. On va prendre notre pelle. On va regarder ce que c'est le cadeau, comme ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé, du coup? Boîte de couture, sympa. Allez, on va mettre ça là-dedans. On va aller prendre de quoi planter aussi. Du coup, là-dedans. On va prendre... Pommes et poires. On va aller planter ça. Et normalement, on est bien prêt. Hein. Normalement, on est vraiment bien prêt. Ça va, Toka, ça va. Merci, hein. Merci d'être passé, en tout cas. Et puis, travaille bien, bon courage. Bon courage à toi. Allez, fais voir. Yop. Alors, non, il faut faire différemment, du coup. Fais voir, on va essayer de le mettre en quinconce. Voilà, on va essayer de se mettre là. Hop, on va planter. Yes. Ok. Et on va planter là aussi, monsieur Duce. Bim. Planter une. Ok. Et on va en replanter une là en quinconce. À peu près, quoi. Hein. À peu près comme Jean-Michel. J'aurais voulu faire quelque chose d'un tout petit peu plus propre quand même, mais bon. Ok, là on est bon. On va aller chercher de quoi planter des fleurs. Je voudrais planter des fleurs tout là, tout le long pour que ça fasse joli, en fait. Vous voyez, là, et puis là aussi. Et après, après redescendre fermé ici, en fait. Vous voyez. Pour nous faire notre chez nous, en fait. On redescend fermé ici. On garde nos fleurs. À peu près par là, là d'ailleurs, du reste. On garde nos fleurs.
à l'intérieur, des fleurs de l'autre côté, et puis ça nous fera jusqu'en bas, bien sûr, jusqu'à peu près par là, jusqu'à ces fleurs là, et puis après on tournera comme ça, on laissera un petit peu de la place aux autres habitants, bien sûr. Donc voilà, ça c'est la gageure d'aujourd'hui. On va regarder quand même là, puisque ça a bipé, on a obtenu deux choses. Allez, fais voir la bricole. Là on est bien, ce qu'on va faire c'est partir pour aller chercher du matériel un petit peu sur d'autres îles. Ce sera sympathique, puis ça va nous faire bouger d'un petit peu de ce qu'on a fait. On va quand même aller acheter 2-3 plantes pour mettre ici. À moins qu'on utilise les plants qu'on a là. Ouais, on pourrait. Hein. Fais voir. Voilà. Ok. Et on va les mélanger. Ok, on pourrait les mélanger, ouais. Hop. Et puis si on trouve d'autres fleurs, ben on les prendra aussi, hein, les gars. Et celle-ci, là, les parmes, là, elles sont vraiment très belles. Ou violettes, comme vous voulez. La parme, c'est pas une couleur, hein, c'est la même chose que les gens qui disent gris top. C'est quoi comme couleur? C'est top. Hein? Quoi? De quoi tu parles? Allez, fais voir, on va aller chercher notre pelle. Hop. Il faudra arroser après. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué? Ok. La casse, ça paye. D'accord, mais c'est cool. La casse, ça paye. On aime bien. Tum, 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 tum. Allez, fais voir. Alors, tu veux bricoler quelque chose? Ouais. On va essayer de voir. Est-ce qu'on peut, d'ailleurs? Je sais pas si on peut le faire. Si on peut. Mais par contre... Allez, on va faire ça. Blim. Et après, on fera notre pelle en fer. Bravo, tu as fabriqué une pelle rudimentaire. On va continuer, bien sûr. On va faire notre pelle comme ceci. Bim. Ok. Allez, on s'arrête là pour l'instant. On va prendre notre pelle. Bim. Comme ça. Voilà. Bim. Non, mais pourquoi donc? Mais pourquoi donc? T'es dans l'autre sens. Pourquoi te tournes-tu, mon bon ami? Non plus. Non plus, non plus. Perdu, non plus, j'en peux plus. Comme ça. Voilà. Ok. Allez, fais voir. On va faire ça là. Est-ce qu'on peut directement planter ou pas? Ouais, planter. Putain, c'est pas vrai que ça fasse ça comme ça m'agace. C'est pas terrible ça, hein. Vraiment pas terrible, je suis désolé, mais... Est-ce qu'on peut pas... Ça plante derrière soi, en fait. Alors, fais voir. On va faire... Ok... Ok... Voilà. Comme ça. Non! Ah! Purée! Tu les prouges. Planté. C'est compliqué la construction là-dessus. Par contre, les gars, je voudrais pas... Voilà. C'est un peu compliqué la construction, j'avoue que... Alors normalement il est balance derrière, donc on va essayer de... Mais t'es sérieux là, mais purée de purée de purée.
Ok. Allez, fais voir. Est-ce que tu vas vouloir me planter le bâton, monsieur Duce, ici ou pas du tout? Non, mais t'es sérieux, mais. Non plus. On va se mettre comme ça et puis on va voir s'il me les plante comme il faut ou pas. Du coup, comme il plante derrière. Hop. Voilà. C'est un peu compliqué là, hein. S'il faut se mettre comme ça pour que ça te plante au bon endroit, monsieur Duce. Allez, fais voir. Ok, donc là on redescendra hein, avec, avec une barrière jusque là. Et on va pouvoir mettre ici. Non, pourquoi tu te mets là? Bon, c'est pas grave, mais c'était pas là que je voulais, mais c'est pas grave. On va prendre un petit peu de celle-ci là. On va en prendre une bleue. Voilà, pour continuer. Hop. Celle-ci aussi, deux bleus. Attends, 2 secondes, les gars. Allez. Comme ça. Et on va essayer de prendre celle-ci. Du coup, c'était pas celle-là, mais c'est pas grave, c'est terrible. C'est terrible de chez terrible. Ok. Non, mais allez, oh là là. Non, là, il faudrait que tu fasses un effort, le jeu, parce que... Mais t'es sérieux, là? Ah ouais, non, la construction, là... C'est pas terrible, les gars, hein. Je vous avouerai que là, sur le coup, allez, fais voir, on va planter ça. Voilà, hop. Hop. Non, autant pour moi. Bim. Bim. Bon, allez. Laissons tomber, c'est un tango. Allez, on va essayer de mettre le restant des fleurs ici. On va essayer d'en mettre une là. Donc celle-là, on va la lever. Ok, on va partir d'ici. Hop, on va partir de là. On va faire essayer de faire ça. Bim. Alors que Jacinthe, on va la planter. Jacinthe, on va la planter. Voilà. Les jacinthes, pareil. Celle-ci, pareil. Bim, on la plante. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais t'es sérieux? Mais c'est sérieux ton histoire là? Allez. Ah, mais allez, mais t'es sérieux, bordel! Putain, mais. Désolé les gars, mais c'est en train de me prendre le mou là, pour rien, pour rien. Juste essayer de faire quelque chose de propre, t'y arrives pas. Hein. Alors fais voir. Est-ce qu'on peut faire ça là? Voilà. Là, est-ce que si je fais le trou et qu'après je plante, on est bon ou pas? Punaise. Alors, fais voir, parce que là, la cam, elle est pas bien placée, on n'est pas bon. Non, mais allez, mais. Sérieux, sérieux, mets-toi comme il faut, s'il te plaît, parce que là. Trop long. Voilà, allez, hop. Une rouge. On plante. Voilà. Et là, on va planter celle-ci. Encore une bleue, bim.
Ok, et là, comme ça. Voilà. Allez, on est bon. Ah, c'était compliqué, hein. Voilà, la chenille. Bon, bah, c'était à peu près ça que je voulais. Je trouve ça plutôt joli. On redescendra ici avec ce qu'il nous faut. Fais voir, on va lever ça. Qu'on vous mettra par ici, je pense, dans ce sens-là. Juste devant notre entrée, en fait. Boîte de couture, non, on s'en moque. Abri d'oiseau, on va le placer là. Voilà. Et donc quand on viendra, on arrivera et on verra un peu ça. Il n'est pas dans le bon sens d'ailleurs, du reste. Non, ça va pas comme ça. Voilà, je pense qu'il sera par là. On va le remettre là, mais je pense que ce sera dans ce goût-là, là. Voilà. Ok. Allez, on est parti. Eh, salut Mystique, comment tu vas? Bonsoir à toi. Ok, non, là je pense qu'on est propre. On a notre verger qui est ici avec différents fruits et légumes. Et allez, maintenant on va. Ouais, ça nous donne vachement, vachement, vachement d'insectes. C'est plutôt pas mal. Ouais, je suis assez content d'avoir fait ça. D'avoir mis les fleurs là comme ça, assez jolies. On a mélangé un petit peu les espèces. Après, on redescendra de la clôture par ici, comme je disais. Et puis, je pense que ce sera pas mal. Je pense que ce sera pas mal. Allez. On va vendre ce qu'on a sur nous. On va regarder un petit peu ce qu'on a à faire encore. Au niveau. Alors, vendre un article phare. Bon, ça, on n'en a pas. Il faut arroser. Ah, tiens, on pourrait l'arroser. Ouais. On va arroser nos fleurs. Comme ça, ce sera simple. Il est où? Il est ici. Bim. Se mettre dedans. Hop. Voilà. Lapin. On va aller arroser aussi les petits arbres. Parce qu'on l'avait pas fait. Hop. Ok, on a débloqué. Comme on a arrosé, on a débloqué un petit peu tout ça. On va aller arroser les petits arbres qu'on a mis là, là. Les petits arbrisseaux. Allez, fais voir. Voilà, on va se mettre là. On devrait arroser un petit peu tout le monde. Non, non. Arrose-le. Voilà. Ok, il veut pas. Tu te calmes. Arroser le bois qu'il y a là aussi, comme ça on est bon. Hop. Allez, ça c'est fait. On a arrosé, c'est assez facile à faire. Bim, on va récupérer les miles qu'il y a là. On est à peu près 6000 miles. C'est propre, hein, c'est propre. Il faut couper du bois, ça tombe bien. Allez, on va aller balader sur une autre île maintenant. On va sortir tout ce qu'on a sur nous. De non important. Et puis on va y aller. On va essayer de visiter deux îles. Et de récupérer un maximum de matos. Pour pouvoir agrandir un petit peu tout ça. Du coup, là. Ça je vais le vendre, ça on va aller le vendre, ok, un au conservatoire, un au musée pardon, ça on peut le lever, ça on le lève, les branches d'arbres on va les garder, on sait jamais, non, c'est ridicule, donc on entrepose ça, bim, on entrepose ça, bim, ça c'est quoi, boîte à couture, la boîte de couture on va l'entreposer, le bois pareil, remonte petit doigt. On va entreposer la pierre, on n'en a pas besoin. Ça aussi. Et non, ça non par contre. Et ça, on va le vendre. Allez hop, on est parti. Ah. Voilà. On va lever ça. Non, ça va être bien. Je pense que ça va être bien, les gars. Vous allez voir. Tom Nook, non, pas besoin. Et on va essayer la boîte là, tiens. On va essayer ça. Alors, c'est la boîte de dépôt. Alors, oui, on veut vendre.
Et on veut vendre. Alors, on va en vendre une montre religieuse. On va vendre ça. Et normalement, on est bon. Ça, on va aller chez notre ami, le conservateur. Alors, déposer à vendre. Ok. Ok, parfait. Je suppose que, ouais, comme c'est la première fois qu'on s'en sert, finalement. Ah non. Je pensais qu'il y aurait un autre truc. Ok, tu as gagné le Malchnook. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut un papillon bien or. D'accord, mais on connaît pas. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Oui. Ici. Adieu la mauvaise herbe. Ah oui, on en a accueilli quand même pas mal des mauvaises herbes. Allez, on va voir si la menthe religieuse l'intéresse. Parce qu'on y avait apporté une menthe religieuse, mais orchidée. Donc on va voir si la nature peinture, il en a besoin ou pas. Pardon, et s'il n'en a pas besoin, bah écoute, on la revendra. On la revendra, pardon, c'est pas grave. Ouhou! Alors, c'est pas vrai. Excuse-moi. Alors, prends le temps de visiter, d'accord. Ça, on sait. Ouais, c'est bon. Il l'a pas, il la veut. Il aime pas les trucs à papattes, en fait. Alors, il me faut pourtant faire mon devoir. Désires-tu savoir davantage sur ce spécimen? Non. Allez hop, on va aller visiter une autre île. On va aller prendre un petit peu du matos sur les autres îles. Et après, on ira voir ce qu'il nous veut, juste avant de partir, ce qu'il nous veut pour faire les maisons des trois habitants. Là, on est bon. Donc, on ira voir Tom Nook après. Et merci. Bim! On ira voir Tom Nook après, et puis pour voir ce qu'il lui faut pour construire un petit peu tout ça. Et où les placer surtout. Bah, je suis content parce qu'on a quand même réussi à faire pas mal de trucs, mais c'est assez laborieux en fait. Il faudrait que ce soit un petit peu plus simple que ça, je trouve, pour placer. Enfin, un petit peu plus pratique, ils auraient dû faire des choses que tu puisses. Bloquer ton personnage pour arriver à les aligner, ping 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 ping, ce qui est pas très difficile à faire, je pense, en programmation, et ils auraient pu y penser quand même. Salut, salut, bienvenue dans notre porte d'accès vers les cieux, l'aéroport 10 la galère. Je me suis planté dans les proportions, mais pancake ressemble à des cookies. Mince alors. Mon frère à Noël m'a acheté. Ouais, je veux voyager, m'a acheté un truc. Ça fait un peu comme un verre-mesureur, si tu veux, c'est grand comme ça. Et dessus, t'as exactement la dose pour faire peut-être une dizaine de pancakes. Et sur le verre est marqué la recette. Donc si tu veux faire du pancake, si tu veux faire des crêpes, ou si tu. Ouais, c'est pancake, crêpes, et puis je sais plus. Et du coup, bah, tu mets juste. Il y a des traits. Alors il te montre la farine. Donc tu mets ta farine, tu mets ton lait, et tu mets ton truc. Et puis finalement, après, tu as juste à secouer. Ouais, je sais. Vu comme ça, je sais ce que vous allez dire. Mais tu as juste à secouer comme un shaker. Voilà. De la même manière, c'est exactement ça. C'est un shaker, en fait, finalement. Et tu fais ta pâte, et puis après, dans 2 secondes, c'est frais. Trop de levure pour le coup. Ah ouais, ça arrive, ouais. Ouais, ça arrive, ouais. Allez. On va utiliser le ticket Miles Snook. Allez. Alors, je suis prêt à t'envoyer dans les cieux dès maintenant. Allez, on y va, les loulous. C'est parti. Et donc, par contre, du coup, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir arriver à trouver l'échelle, à débloquer l'échelle. Ce serait bien quand même, vraiment, pour le coup, les gars. Allez, voilà. Alors, je vous souhaite un excellent vol. Bon vent, l'ami. Allez, on est parti. Et j'ai pris de quoi faire. J'ai pris de la levure boulangère, moi, hier, pour faire des pizzas maison. Alors, nous confirmons atterrissage sur l'île de destination double Delta Oscar, pardon. Allez, c'est bon. De mon côté, je tiens mon poste ici. Si tu as besoin d'outils ou si tu veux rentrer chez toi, pas de souci. En attendant, bon vent. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord. On a celle-ci comme fleur. Et au niveau des fruits, on est sur de l'orange. Donc c'est des trucs habituels. Tiens.
on va faire un petit peu le tour de tout ça. On va prendre alors on a la pierre, hein, on a vu ceci, on les a, ces couleurs là on les a. Ok. Allez, on va prendre la pelle. Bim. Bonne récolte déjà, on a déterré un fossile. On va secouer l'arbre. Non, c'était pas ça que je voulais faire, bien sûr. Hop. Allez, fais voir. On devrait se reprendre un cocotier, mais pas, hein, au final, pas sûr qu'on n'en ait pas, qu'on en ait pas déjà des cocotiers. Et là, il y a juste ça au milieu. On a personne sur cette île, par contre, c'est rigolo, c'est bizarre. Hein. On a personne. Ça ressemble quand même vaguement à une île sur laquelle on est déjà passé, en fait. Mais peut-être pas, peut-être je me trompe, mais... On va déboiser, de toute façon. Allez. Allez, un petit peu de fer, s'il te plaît, parce que ça vient toujours bien. On se fera un ocarina, je sais pas si on en a vraiment besoin, mais au pire, on se fera quand même un ocarina. L'argile, normalement, non, mais bon. Allez, on va prendre la pelle. Hop. On va prendre les jaunes, même si on en a, c'est pas grave. Hein. Vu qu'on est là. Allez, on remblaye ça. On remblaye ça. Non. Oh, putain, c'est pas vrai. Mais t'es sérieux, là? Allez, tourne-toi. Allez. On en a déjà, mais bon, ça nous en fait plus, on pourra se faire un beau parterre. Attends, on va regarder un petit peu quand même qu'on soit pas... Voilà. Allez, fais voir. On va prendre les branches d'arbres. Un petit peu de bois. Hop, comme ça. On va pêcher aussi, regarder si... Allez, ça dégage. Voilà. On va prendre les insectes. Ah, zut. Bien sûr. Faut que j'y aille avec un tout petit peu plus de précaution. J'ai voulu y aller trop vite, en fait. Hop, allez. Bon, on va prendre à manger quand même. Comme ça, on va se déraciner le cocotier parce que finalement, on a des noix de coco, mais c'est quand même bien. Comme ça, on pourra le poser directement sur la plage quand on arrive. C'est pas manger, lâcher, manger. On n'est pas. Je vous avouerai que c'est pas la meilleure île qu'on ait trouvée jusqu'alors. On en a trouvé des plus sympas que ça. On va prendre le cocotier quand même. Mais ouais, non, c'est pas la plus belle île qu'on ait faite. On va voir après au niveau des poissons si on arrive à pêcher quelque chose de différent. Ce qui serait plutôt pas mal. Allez, comme ça, comme ça. On va en profiter pour faire du bois, hein, de toute façon, qu'on soit pas venu pour rien. Ok, est-ce qu'on a tapé là-dessus? Non. De l'argile. On va prendre, hein, mais si jamais on a besoin de refaire de la place, on refera de la place. Coucou mon prince. Allez, ça c'est validé, c'est acté, on est bon. Normalement, c'est pour le bois, c'est exactement ça. On a taillé. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut planter des arbres fruitiers, t'es sérieux quoi? On en a planté 250... On prend du bois.
Est-ce qu'on va y arriver cette fois? Ok, c'est parfait. Quand on n'y va pas trop vite, on y arrive. Hop, hop. On va couper ça. Non, 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 par là. Merci. Ok. Ouais, c'est pas la plus grande île du monde, hein. C'est clairement, clairement pas celle qu'il nous fallait, mais c'est pas grave. Allez, on va quand même prendre ce qu'on peut prendre, et puis écoutez. Ouais, on l'a vu. Ah, il a du dépop. On va essayer, mais ouais, non, il a des pop. C'est pas grave. Voilà. Pêchons. Dépêchons de pêcher. Nah. Allez. Un petit peu de pêche, on n'en a pas fait jusqu'aujourd'hui, ouais. On n'en a pas fait aujourd'hui. On aime bien. Très bon, on va essayer de se mettre en face de lui. Est-ce que ça te parle si je te le mets là? Non. À toi, ça te parle pas. Les autres non plus, ça a pas l'air. Hein. C'est quand même un peu spécial ton histoire, non? Il est reparti dans l'autre sens. Allez, les copains. Copains. Attends, on va essayer de se placer de l'autre côté, du coup. C'est bon. Est-ce que ça donne quelque chose? Oui, peut-être. Oula! Il était vorace, le mec, hein, les gars. Ah. C'est une loche. Du coup, la loche, on en a déjà. Au niveau de la pêche, c'est pas terrible, hein, je vous avoue, là. Allez, on va continuer à faire le tour. Et puis on va repartir de là parce que du coup c'est pas l'Amérique. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre là sur la plage? Peut-être pas. On va regarder si on peut pêcher du poisson de mer un petit peu différent. Ok. Allez. Est-ce qu'il le voit ou est-ce qu'on se décale? On va se décaler parce qu'il le verra pas, Jean-José. Ben dis donc, ils ont pas eu à bouffer depuis longtemps, je pense, la poscaille. Waouh! Bien joué, tu m'étonnes. Un vivano. Allez, on va essayer d'en prêcher un deuxième. Allez, bien. Il est bien au niveau des poissons, on est bien là. On a déjà quelque chose de différent qu'on n'avait jamais eu. Eh ben, deux vivano, c'est ça. Ce serait bien. Ah non, un bar commun. Allez, bar commun, c'est bien aussi, hein. Ça nous va. Les poches sont pleines, on va échanger, ouais, ouais, on va échanger contre quoi? Bah, contre l'argile, on n'a pas besoin, en fait. Allez, hop. On va garder du bar chez nous. De la porcelaine. On n'est pas obligé. Mon petit chéri d'amour, d'amour, chou. Allez, fais voir. On va taper là-dedans. J'ai bientôt fini, mon chéri, oui. On va finir ça, les amis, et puis on va se quitter là parce que mon fils est un peu impatient. Ce que je peux comprendre. Allez. Oh, mais là on s'est gavé au niveau du fer, les gars. Ça c'est bon, ça par contre. La visite de l'île a été vraiment bien fructueuse. Allez. On va voir de ce côté-là si on arrive à voir quelque chose. Si on a quelque chose à pêcher. Ouais, fais voir. Un petit peu petit celui-ci, mais on va voir. Hein. Je suis bête. Alors. Allez, lapin. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? Un chinchard. On connaît le chinchard, on l'a déjà eu. Non, non, il va attendre, fils la galère. C'est à notre tour de profiter de toi. Ah ouais, vous profitez de moi depuis ce matin quand même, ça va. Ça fait 2h47 qu'on est en live quand même. Donc c'est bon, je pense. Tiens, on va l'échanger contre la loche. Parce que, bonjour madame, est-ce que vous avez de belles loches? Ben, elle m'a mis un pain dans la poire. Hein. Remaster. C'est la master hour. Allez, on y va, les gars. On est parti. On rentre à la maison. Zonzon. Et puis on va sauvegarder tout ça. Et puis on verra bien si je vous...
La mèche de Davian Cronenbourg. Et puis après, on verra bien si. Si on se revoit dans le week-end ou pas, mais je suis pas sûr du coup. Allez, bien reçu, décollage Tango Delta Sierra Charlie. Hello Papa Tango Charlie. Ici Papa Tango Charlie. Ok, ben merci les gars. Bien aimable à vous. T'as redormi 2 heures, ben oui, un truc comme ça, ouais. C'était un peu tôt pour toi, t'as juste voulu voir un dab et puis après t'es rentré te coucher. Mais du coup, nous on a travaillé pendant que tu dormais. Fais voir. On va les vendre. Est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, il y en a des trucs qu'on peut vendre quand même, faut pas déconner. Allez, ouais, on veut vendre. Et on va vendre ça. On va vendre la Coco Chinelle. On va vendre... Tiens, ça j'en ai deux. Ça. 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 On va vendre ça. Et ça. Et ben finalement, c'est pas beaucoup. Ils nous en donnent pas beaucoup, les mecs. Et hop. Bon, bah écoutez, ça fait déjà ça, hein. Ça fait déjà ça. Allez. On va aller voir le conservateur du musée. C'est Thibaut. Il s'appelle Thibaut, le conservateur du musée, mon chéri. Eh oh. Chouchou. Non, non, je parle à Thibaut. Parce qu'il dort. Parce que Thibaut dort. Et qui dort dîne. Allez, c'est bon. Allez, expertise-moi un fossile. Dessine-moi un mouton. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. On va expertiser ça. On va confirmer. On n'a pas trouvé beaucoup de fossiles sur cette île. Mais on en a trouvé quand même, hein, donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il va lui convenir. Hein. Ok, il sait. Wouhou ! Aucun doute, pas d'hésitation. Et nulle indécision, nous avons une queue d'ankylosaurus. Ah, mais on est bon là. Ça, on aime bien la queue d'ankylosaure, les gars. Ouais, d'ankylosaure. Tu le connais bien, toi, l'ankylosaure, mon chéri. Hein. Allez. Ça, c'est pas une queue. C'est le bout de la queue. Attends, mais on va voir, je vais te montrer. On sait comment elle est, la queue de l'ankylosaure. C'est le bout de la queue. Eh bien, on verra bien. Non, en fait, après ça se transforme, regarde. Je présume que tu souhaites un bref exposé. Non, non, plus tard. Je vais te montrer, on va descendre, tu vas voir. Allez. Nous mettrons bientôt les ailes et l'autre partie pour reconstituer le squelette entier. Okay. Non, merci. Allez, fais voir. Et merci pour la... Allez, fais voir. Allez, on va aller voir l'ankylosaurus pour mon fils, comme ça il sera content. Et nous aussi d'ailleurs, du reste. Il commence à être. Il commence au niveau des fossiles à être pas mal. Et regarde, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, un plage à couac. Un plage à couac. T'es fort. Il sait pas lire, hein, mon fils, mais il connaît les. Il est très très calé là-dessus. Et là, on a la queue d'ankylosaurus, juste là. Ouais. Voilà. Ah non, c'est le stégosaure celui-là. Il est où l'ankylosaurus? Non, c'est l'ankylosaurus. Ah si, si, c'est ça. L'ankylosaure, il est juste là, bien sûr. On est bon. Allez, ça c'est bon. Bon, ben on y va. On a vu, on a vaincu. Il nous faut pêcher encore du poisson. Par contre, on va faire ça. Comme ça, on prend encore des miles. Au niveau des miles, on est assez propre là. Hein. On s'est fait quelque chose de plutôt pas mal. On a 7000, donc il me semble que c'est pas mal. On va qu'on regarde, hein, si jamais il nous faut encore d'autres choses. Qui sont un peu chères, on va les garder. Hein. On a un autre billet, de toute façon, pour aller sur une autre île. On sera ça la prochaine fois.
Là, on va arrêter, mon chéri. Je vais mettre ce que j'ai sur moi dans la maison et puis on va sauvegarder, mon prince. Comme ça, on va rester un petit peu ensemble. On va préparer un petit peu à manger et puis, puis ce sera fait. Maman, elle sera là, je vais te montrer. Arrête, enlève ta tutu, mon chéri, parce que c'est très désagréable. Alors. Ok, le verger, ça pousse plutôt pas mal. On a... On va bricoler... Chut, non, 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 Ethan, s'il te plaît. Fais voir, on va comment... On va nous... On va remettre un... Attends, fais voir. Voilà, déjà, on peut prendre ça. On va replanter... On va replanter, on va replanter... On va replanter ici, peut-être, un palmier. On n'en met pas... Peut-être pas de partout... On peut le planter là, je pense. Peut-être c'est un tout petit peu trop bord de mer, le cocotier. Non, regarde. Ouais, si, c'est un petit peu trop bord de mer. Fais voir. Est-ce que je peux prendre pour pousser l'autre? Ouais, quoi que, regarde. Non, ça va, c'est joli. Ouais, c'est un peu... Si, 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 c'est trop près. C'est trop près, c'est trop près. Fais voir, est-ce qu'on... Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut le déplacer, celui-là? Non, on peut pas. Fais voir. Est-ce qu'on peut manger? On a quelque chose à manger sur nous? Pas du tout. Ah, j'ai oublié de le donner au musée, le poscaille. C'est pas grave. C'est pas grave. On doit avoir à manger juste là, de toute façon. On va aller chez nous, on va regarder, donner à manger. Et puis, bon, on poussera ça tout à l'heure. On va se faire une belle plage avec plein de cocotiers. Alors, fais voir. On va prendre des oranges sur nous pour manger. Ben, c'est ça, ma maison, mon chéri. Voilà. La maison, c'est ça, mon chéri, pour l'instant. Elle est pas très très grande, tu as vu? Bien sûr. Le poisson tout plat, oui, c'est une limande, regarde. Hop, attends, je vais changer de sens, comme ça tu vas pouvoir... Voilà. Normalement, on y arrive comme ça, non? Voilà. Je sais pas si tu la vois bien, comme ça. Ouais, je la vois. Je vois bien. Voilà. Voilà, mon chéri. Allez, on va sortir de là. On va manger un petit peu, je vais déplacer. Et puis on va replanter quelques arbres, tu vas voir. On va se faire ça, peinard. Alors, fais voir, on va manger. Fais voir. Deux, je pense, on va en manger deux. Et puis après, on va planter les autres. On va planter un petit peu. Je pense que comme ça on est bien. Bim. Ok. Là, tu vas venir. Voilà. On va se mettre devant. Je vais planter le... Attends, après, après. Je vais replanter le... C'est une bonne question. Et tu as raison, mon chéri. Je vais replanter le grand. Alors, il est où? Cocotier et jeune cocotier. Donc, on va planter le cocotier là. Ok, ça c'est bon. Là. On va effectivement machiner. On va en replanter un ici. Est-ce qu'on peut le planter là? Ouais, en bordure. On va planter le jeune cocotier ici. Voilà, il était déjà pas trop mal. On va en planter un là. Yes. Donc du coup, on va se mettre là. On va prendre une noix de coco qu'on va planter. Voilà. On va... planter un autre endroit ici. Et comme ça, je pense qu'on sera bien. Exactement. Et on a débloqué encore quelque chose qui est pas mal. Ok. Ça, ça me plaît. Ça, vraiment, ça me plaît. On va avoir une belle, belle plage. On va voir pour planter encore un tout petit peu plus bas si on peut. Non. Non, c'est bien là. Là, c'est bien. On a de la place. On pourra se remettre des meubles là si on veut. On pourra faire quelque chose d'assez propre et d'assez sympa ici. Je pense que c'est pas mal. Là, on va venir. Alors, tu veux bricoler quelque chose? Ouais, fais voir un petit peu si on peut. Allez, fais voir. On va refabriquer quelques troncs si on peut. Et après, on va arrêter là.
La même chose. Garçon, la même chose. Une tourtelle. Paul, une tourtelle. Jean-Paul. Jean-Paul. Jean-Paul, une tourtelle. Jean-Paul, une tourtelle dans mon... Il y a une tourtelle dans ma cheminée. Oh, une tourtelle, c'est une bière, c'est de la bière, mon chéri. Donc elle peut pas dans ta cheminée, ce serait dommage de gâcher une tourtelle. Allez, fais voir. Ethan, non, s'il te plaît, arrête. Ok, fais voir. On va essayer ça. Alors ça me va pas. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la pelle, on va lever ça. Hop, on va remblayer ça et là je vais essayer de pousser comme ça en fait. Voilà. Ok, ça me va comme ça. On va lever ceci. Est-ce que comme ça, ça marche? Ça fonctionne, pardon. Écoute, on va la placer là. Comme ça, placer. Ok. Je vais voir. Ouais, on peut la pousser. Un autre cadeau. Allez, fais voir. Est-ce que ça fonctionne si on se met là? Ouais, ça c'est de la chance. Hein. Vraiment, vraiment c'est de la chance. Hop, on va prendre le cadeau. On va remettre ça par là. Ta-dam, 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 ta-dam. Allez. Voilà, hop, on va lever ça. Alors ça, par contre, on va le déplacer. Voilà. Et le déplacer. Je pense, si on y arrive. Allez. Allez, chouchou. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais, comme ça, c'est bon. On se laissera un espace. Il faut venir au moins jusque-là, je pense. Attends, fais voir. On va essayer de prendre un petit peu, si on en a encore. Je voudrais au moins finir un tout petit peu là. Et puis après, je pense que ce sera bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, fais voir. Eh non, tu vois, c'est du bois. Tiens, si on a du bois normal. On va le placer dans la poche. Il nous en reste un tout petit peu. Et après, c'est bon pour nous. Alors, tu veux bricoler quelque chose? Ouais. On va faire ça. On en fait 3 de plus. Et après, on va se quitter là. Puis ça fait un petit moment qu'on est ensemble, avec plaisir. On a fait 3 heures de live ce matin à la rigolade. Ok. On se fera une table aussi qu'on mettra dehors. On va se faire un petit jardinet, je pense. Ah non, on peut plus. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là, on va venir mettre ça là. Il m'en faut au moins 2 là, je crois, je pense. Hein. Voilà. On va le placer. Hop. Voilà.
Et là, on va venir placer un autre ici. Et notre entrée sera là. Notre entrée de maison sera ici. Fais voir un petit peu si on peut faire ça. On va le placer. Alors, fais voir. Il va falloir le déplacer un petit peu comme ça. Voilà. On va peut-être... voilà. Et là, je pense qu'on est bon. Je vais prendre ça, qu'on va placer ici, regardez. Mais on va le mettre dans ce sens-là. Ouais, ce sera bien plus joli. Comme ça. Non, alors c'est pas dans ce sens-là que je le voulais. On va le ramasser. C'était le bon emplacement, mais c'est pas le bon sens. Je pensais que ça nous mettrait l'ouverture par là, mais c'était pas le cas. Voilà, regardez. On n'est pas bien là ? On va le déplacer un tout petit peu. Il est pas au bon endroit. Voilà, là ça me convient. On y mettra des fleurs de retour ici, là. Du style comme ça, là. On va regarder un petit peu ça. On y mettra les jacinthes. Poster d'études, d'accord. Ok, allez, on va sauvegarder là et on se rejoint. On se retrouvera dès lundi. Dès lundi 10h là-dessus. Salut Jolafrit, comment tu vas? T'es en forme? On se retrouve dès lundi 10h là-dessus. Je vous embrasse très très fort les amis. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon samedi, un bon après-midi. Et puis on se retrouve très très vite. Sauvegarder et arrêter, c'est ce qu'on va faire. Allez, je vous embrasse très très fort. Merci pour tout les gars. Et puis bon, on se retrouve dès lundi 10h. Et je mettrai à jour... Normalement, les lives dans la semaine, je les ai déjà mis sur le nouveau système de Twitch, mais il n'est pas encore, je pense, en application pour l'instant. Donc je continue à vous mettre ça dans les infos. On se retrouve très très vite les amis. Je vous embrasse très très fort et à bientôt. Merci. Allez, à ciao. Bisous à tous. On va se faire un raid. Hein. Bougez pas. On va essayer de se faire un raid s'il y a quelqu'un qu'on connaît. Allez. Une bise. Merci à tous et à lundi 10h. Bye bye. Ciao. Ok, eh ben c'était un bon live, hein. Merci les amis, hein. Merci à tous, vraiment, 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 vraiment merci à tous. On va essayer de regarder si on peut faire un raid chez quelqu'un qu'on connaît. Et il y a bon Coffee Gaming sur du Doom Eternal, je voulais le prendre et puis j'ai pas pu le faire, donc on va lancer un raid chez lui, et puis on y va. Des bisous mon petit doigt, des bisous, merci beaucoup, hein. Merci à tous. Et après il va falloir que je m'occupe de mon fils parce qu'il est en train de craquer, vraiment, vraiment. Ce qui est normal. Allez. On va lancer le raid. Et on s'embrasse très très fort. Allez, à ciao les amis. Joe, je vais lancer le Discord sur mon ordi. Puis comme ça, on va pouvoir discuter tous les deux. Allez, à plus. Ciao, ciao. Et merci à tous encore. Encore, pardon.